Buongiorno a tutti. Prego. So, buongiorno a tutti per queste lezioni sul tema della religione. Abbiamo tre questa mattina, ma la prima voglio ringrazio tutte le traduttrici per tutto il lavoro. Grazie mille. So, cominciamo con il professor Bruno de Mesil dell'Université de Sorbonne à Paris. Son sujet est les Francs et le catholicisme romain. Le baptême de Clovis constitue-t-il un tournant constantinien? Je donne la parole à professeur de Mesil. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup au comité d'organisation de m'avoir convié à ces semaines. Et merci beaucoup aux jeunes boursiers d'être là malgré le dimanche matin. Je me souviens d'il y a quelques années, on avait beaucoup de mal à se lever. Mais finalement, dites-vous que peut-être dans quelques années, vous passerez de l'autre côté de la barrière. Pour beaucoup de Français du siècle passé, le début du Moyen-Âge se limitait, pour ainsi dire, à un seul nom, qui était le nom de Clovis. Publié en 1913, le manuel élémentaire connu sous le nom de Petit Lavis a constitué en France l'un des livres les plus utilisés par l'enseignement et son nombre porté peut se lire jusqu'à l'époque actuelle. Composé à un moment où le parti laïque commençait à se réconcilier avec les catholiques, cette présentation de l'histoire de France pour jeunes enfants imposait une idée simple. En choisissant le baptême, Clovis avait choisi le camp des Gallo-Romains contre les envahisseurs venus d'Outre-Rhin. Ce faisant, il avait quitté la barbarie et fondé un pays appelé à se perpétuer. Encore aujourd'hui, un certain nombre de Français se reconnaissent dans les dernières phrases du Petit Lavis. Après son baptême, Clovis redevint roi de toute la Gaule. Dans la suite, la Gaule changea de nom, elle s'appela la France. Le lien entre la naissance de la nation française et l'adoption du christianisme catholique par Clovis constitue encore aujourd'hui un sujet de polémique en France, ravivé par l'apparition en 2018 d'un spectacle, Clovis, le premier royaume, dans le parc du Puy du Fou, et par une utilisation parfois débridée du sujet sur la scène politique. Si, chez beaucoup d'historiens, il est aujourd'hui à la mode de récuser ce récit, que l'on qualifie en France de roman national, il ne constitue pas une pure création des pédagogues du XIXe et XXe siècle. Dans le Petit Lavis, la mise en scène du baptême de Clovis s'inspire de très près de Michelet, Michelet s'inspirant d'Hincmar, Hincmar s'inspirant de Frédéguer, et Frédéguer montrant un Clovis ulcéré d'apprendre que le Christ avait été crucifié et regrettant de ne pas avoir été là pour venger l'outrage. En lui-même, le récit de Frédéguer reprend le chapitre 31 du livre 2 de Grégoire de Tours, l'un des plus célèbres passages des 10 livres d'histoire. Clovis s'avance, nouveau Constantin, vers la piscine pour se guérir de la maladie d'une vieille lèpre et pour effacer avec une eau fraîche de sales taches faites anciennement. Lorsqu'il fut entré pour le baptême, le saint de Dieu, Rémi, l'interpella d'une voix éloquente en ces termes, « Courbe doucement la tête au sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Grégoire de Tours compose ce passage à une date incertaine qu'Alexander Murray tend aujourd'hui à situer assez tard dans son épiscopat, probablement après la mort de Chilpéric en 584 et peut-être même autour de 590, à un moment où la question de la future succession de Childebert II commence à se poser. Jusque-là, Grégoire de Tours n'avait jamais parlé du baptême de Clovis dans aucune de ses œuvres. Lorsqu'il le fait, ce n'est sans doute pas pour satisfaire les éventuels compagnons de la reine Clotilde, morte depuis bien longtemps, mais pour servir un contexte politique très particulier où le devenir de la dynastie royale est incertain. Le décalage chronologique considérable entre le baptême de Clovis et le premier récit circonstancié pose des problèmes qui sont bien connus. Plusieurs éléments de la narration que propose Grégoire de Tours ne semblent pas compatibles avec les rares sources contemporaines des environs de l'an 500.
Il en a résulté de multiples débats à la fin du XIXe et au début du XXe siècle quant au lieu, à la date ou aux motivations de l'événement. En l'absence d'une documentation contemporaine suffisante et convergente, plusieurs hypothèses continuent d'être formulées, notamment il y a quelques années autour du 15e centenaire éventuel du baptême de Clovis. Ces hypothèses sont les dates entre 496 et 508, le lieu, Reims, Paris ou peut-être ailleurs, la conversion à quelle foi, le catholicisme romain ou l'orthodoxie constantinopolitaine issue du schisme d'Acas. Des générations d'érudits ont aussi aiguisé leur acuité sur les sources possibles du bref passage de Grégoire de Tours. Un consensus actuel tend à insister sur l'influence d'Eusèbe de Césarée, passé par Ruffin, pour l'économie d'ensemble du récit, de Lactus Silvestri, qui rapporte la légende de la maladie de peau de Constantin, et avec plus d'incertitude sur une possible source rémoise qui aurait fourni la citation attribuée à Rémy. Notons toutefois que le passage est aussi extrêmement proche d'un des sermons de Césaire d'Arles, reprenant exactement les mêmes thématiques et les mêmes mots, rénovation, lèpre, tâche. On est dans une ambiance où ces idées-là sont utilisées par de nombreux auteurs. Dans un autre sermon, Césaire d'Arles va faire le même jeu également d'inversion, le vainqueur vaincu par la religion, le cou qui est baissé et les idoles qui étaient persécutrices et qui deviennent persécutées. Mon propos d'aujourd'hui n'est pas de reprendre ces discussions savantes dont il faut admettre qu'elles peinent à trouver un nouveau combustible tant le passage est bref. Je préférerais m'attacher à deux éléments. D'abord, je voudrais examiner le choix que fait Grégoire de Tours lorsqu'il mentionne Constantin à cet endroit du récit. Influencé par l'histoire chrétienne issue d'Eusèbe de Césarée et passé par Jérôme, Grégoire de Tours semble dresser un parallèle clair entre le moment constantinien et la conversion de Clovis. Comme pour la bataille du pont Milvius, il y aurait un avant et un après, des francs païens et puis soudainement des Christiana tempora marqués par le succès de leurs dirigeants. Le récit extrêmement sombre que Grégoire de Tours dresse du règne du père de Clovis, Childéric, vise certainement à exalter le triomphe de Clovis, qui accumule les succès et les victoires militaires. L'idée d'un tournant constantinien de la monarchie franque est donc très souvent repris dans l'historiographie contemporaine. Ensuite, à plusieurs reprises, mais très clairement dans la préface du livre 5 de ces 10 livres d'histoire, Grégoire présente comme une évidence que les rois de la fin du VIe siècle ne pouvaient pas ignorer l'histoire glorieuse de leur premier aïeul chrétien. Puissiez-vous, ô roi, vous entraîner dans les combats tels que ceux que vos ancêtres ont livrés à la sueur de votre front. Rappelez-vous ce que Clovis, l'auteur de vos victoires, a fait, lui qui tua les rois adverses, qui écrasa les nations malfaisantes, qui conquit leur patrie et qui vous a laissé son royaume entier et intact. Les numismates noteront qu'ils n'avaient pas d'argent à cette époque-là, mais pas d'or non plus, ce qui laisse entendre que les solidi n'étaient peut-être pas frappés dans l'esprit de Grégoire. Le sens du parallèle avec Constantin et l'évidence de ce tournant historique pour les hommes du VIe siècle, voilà en fait deux paradigmes que je vous propose d'interroger. Pour cela, je vais vous proposer d'abord d'essayer de jouer. Admettons que les 10 livres d'histoire aient été perdus, irrémédiablement et immédiatement après leur rédaction. Un tel phénomène était envisageable, car Grégoire de Tours lui-même s'inquiétait d'une possible disparition de son œuvre après sa mort. On connaît en outre la violente opération d'abréviation qui eut lieu chez les copistes du 7e siècle et qui donna naissance à la version B des histoires. Si l'on supprime totalement les 10 livres d'histoire, que saurions-nous du baptême de Clovis ? Et surtout, serions-nous tentés de considérer que la conversion du roi des Francs a constitué un tournant assez dramatique de l'histoire pour appeler une comparaison naturelle avec la conversion de l'empereur Constantin ? Commençons par le baptême lui-même. Tous les récits de l'événement postérieur à la fin du VIe siècle découlent directement ou indirectement de Grégoire de Tours, ou pour être exact, de la version B des histoires, version qui fut appelée à une bonne circulation que l'on peut deviner dès les années 630-640. C'est par exemple ce texte que l'auteur de la Vita Vedasti reprend pour donner à Clovis un catéchiste
en la personne de Saint Va. C'est aussi la version B des histoires que Grégoire de Tours va léguer à Frédéguer et que Frédéguer développe dans les années 660 pour préciser que le baptême a eu lieu à Reims et un jour de Pâques. C'est encore la version B des histoires qui est reprise par le Liber Historiae Francorum pour faire de Soissons le lieu de la première découverte du catholicisme par Clovis au moment de sa nuit de noces. Si l'on soustrait Grégoire de Tours de l'équation, tout ce que Jan Hassmann appelle la mémoire culturelle de l'événement disparaît complètement avec lui. Aucun récit alternatif du baptême ne semble en effet avoir survécu au-delà des années 560, aucun en tout cas qui ait bénéficié d'une diffusion manuscrite importante. Si Grégoire de Tours fonde le socle de cette mémoire savante qu'est la mémoire culturelle du baptême de Clovis, il est beaucoup plus difficile donc de percevoir la mémoire communicationnelle, c'est-à-dire globalement le souvenir non élaboré de l'événement. Son identification repose sur un ensemble très réduit de sources. Un premier point à souligner est l'absence de mention du baptême dans la quasi-totalité des textes contemporains du règne. L'événement n'est mentionné par aucun des grands contemporains, qu'il s'agisse de Cassiodore, comme l'a évoqué Stéphane Giovanni, de Césaire d'Arles ou de l'auteur de la chronique gauloise de 511. Pour eux, l'événement majeur en Gaule est la conquête franque de 507-508. Si ces auteurs ont repris la conversion de Clovis à la foi catholique, s'ils l'avaient su ou s'ils savaient qu'il était catholique en 507, ils n'en ont pas fait mention dans les manuscrits qui nous sont conservés. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'ils aient eu le sentiment d'assister à un tournant constantinien. On objectera naturellement l'existence de la célèbre lettre David de Vienne félicitant Clovis pour son baptême. L'expression « votre foi et notre victoire » a parfois été considérée comme une réminiscence de la théologie de la victoire que l'Empire chrétien avait développée au IVe siècle. En outre, David de Vienne procède à une comparaison entre la Gaule et l'Empire, mais sa phrase est alambiquée et elle semble avoir beaucoup embarrassé les copistes. Ce que l'on parvient à comprendre est susceptible d'ailleurs de nombreuses interprétations. Dernièrement, Marc Crédelet s'accorde avec la traduction qui avait été naguère proposée par Jan Wood et Danuta Schanzer. La Grèce peut se réjouir d'avoir un prince comme l'un des nôtres, mais elle n'est plus la seule à mériter d'obtenir le don d'une si grande faveur. Sa gloire alors illumine la terre et dans les contrées de l'Occident resplendit sur le Loir la clarté d'un astre qui n'est pas nouveau. Au mieux, s'agit-il d'une comparaison générale entre deux régions du monde. On pourrait même noter qu'user du terme de Grèce pour désigner l'Empire romain est quelque peu injurieux et qu'Avid de Vienne n'utilise d'ailleurs ce terme qu'avec des interlocuteurs occidentaux. Quant à l'identification exacte de cet astre au-dessus de Clovis, elle a suscité de nombreuses pages de commentaires sans permettre de véritables réponses. Quoi qu'il en soit, il n'est ici nullement question d'un parallèle avec Constantin, mais au mieux d'une comparaison avec l'empereur Anastase, lequel est certes catholique, mais en schisme avec l'Occident à ce moment-là. Quant à la diffusion des lettres d'Avid de Vienne, elle semble relativement faible. Grégoire de Tours affirme avoir vu un recueil, mais si tel est le cas, il n'a pas identifié ou pas retenu la lettre de Clovis, la lettre de David à Clovis, qui lui aurait pourtant fourni un élément objectif, le seul peut-être sur le baptême qui lui manque, à savoir la date de Noël, que visiblement Grégoire ignore totalement. Il est difficile de déterminer par la suite si la conversion de Clovis était évoquée au VIe siècle au voisinage de la tombe du roi. Pascal Bourguin a démontré qu'un poème attribué à Rémi de Reims était visible dans l'église des Saints Apôtres de Paris entre le XIe et le XIVe siècle, mais on ignore si ce fut le cas avant. Si on en vient à la vie de Sainte Geneviève, on sait qu'elle évoque Clovis, mais ne parle pas de son baptême. Ce fut l'un des arguments que Bruno Crouch exploita dans sa volonté de prouver que ce texte n'était qu'une falsification tardive. Aujourd'hui, les études de Martin Heinzelmann et de Joseph-Claude Poulain, confirmées par le très récent travail de Marie Zaya, démontrent que nous avons bien là un texte des années 520. De fait, l'absence de mention du baptême peut facilement s'expliquer par la volonté de l'auteur de la vie de Sainte Geneviève, qui construit son œuvre comme un travail de polémique anti-pélagienne et qui ne place donc pas la question du paganisme au centre de son propos. Mais il est beaucoup plus surprenant de constater
que la vie C de Sainte Geneviève ne mentionne pas non plus le baptême. La vie C, qui est une réécriture de A, s'adresse à un public franc lettré, sans doute dans la seconde moitié du VIe siècle, et plusieurs anecdotes de la vie A sont revisitées pour satisfaire au goût du temps. Il aurait alors été possible d'introduire le baptême. Or, l'épisode n'était apparemment pas indispensable pour des aristocrates francs au moment où la vie de Sainte-Geneviève fut lissée et améliorée pour répondre à leurs attentes. L'auteur de la vie C a toutefois conscience qu'une célébration de Clovis est nécessaire. Alors que la vie A ne parlait que d'un Clovis roi redouté des armées, ce qui était assez peu positif, la réécriture le dit norme des gens de bien et le premier entre tous en vérité, puisqu'il les surpasse en force, justice et bonté. En somme, l'auteur de la vie C construit l'histoire d'un prince bienveillant, mais sans mettre particulièrement en avant sa dimension religieuse et sans que l'on puisse savoir s'il avait conscience que Clovis avait été le premier roi baptisé de sa dynastie. La mention de Clovis dans le Liber Pontificalis a souvent été soulignée et François Bougard, je pense, reviendra sur ce point. Il convient juste de rappeler le caractère extrêmement sommaire de cette entrée sur notre personnage qui se résume en une seule phrase. Clovis est dit roi chrétien, mais pas roi nouvellement baptisé. De plus, la donation d'une couronne d'or par Clovis a été enregistrée sous le pontificat d'Hormisdas, pape de 514 à 523. Il a depuis longtemps été souligné que cette chronologie est incompatible avec le règne de Clovis, lequel s'achève selon toute probabilité dans les derniers mois de l'année 511. Pour expliquer cette anomalie, les hypothèses ont été multiples, couronne égarée pendant le schisme laurentien, rattrapage a posteriori des inventaires de donation, voire cadeau fait par Clovis à Laurent, puis récupération postérieure de l'objet par le milieu du pape Symmac, impossible de trancher. Dans le Liber Pontificalis, la notice sur Clovis se retrouve entre une petite note sur la lutte contre l'hérésie manichéenne et une entrée sur la fin de la présence homéenne en Afrique. Elle se voit en outre rapprochée de la mention de l'arrivée à Rome de cadeaux orientaux marquant la fin du schisme d'Acas. L'ensemble de la séquence fait certainement sens pour les rédacteurs du Liber Pontificalis. Une fois sorti de la tourmente des années 500, le siège romain a montré sa capacité à retrouver un certain universalisme, ce qui était tout à la gloire du pape Hormisdas. Mais en elle-même, l'entrée du Liber Pontificalis ne salue pas clairement la conversion du roi Clovis. Dans le monde franc, on ne peut qu'être stupéfait par le silence des sources sur le baptême entre les années 510 et 560. Signalons juste une possible exception, à savoir un bref passage de la version courte du testament de Rémy qui évoque un vase d'argent qui aurait été offert par le seigneur roi Clovis d'illustre mémoire que j'ai reçu dans la fontaine sacrée du baptême. C'est aussi malheureusement le passage où les soupçons d'interpolation du testament sont les plus forts. Alors qu'ils sont plus prolixes, les auteurs méridionaux n'ont pas non plus l'impression d'avoir vécu un tournant religieux majeur. Au milieu des années 540, les rédacteurs de la vie de Césaire d'Arles saluent la domination très catholique du très glorieux Childebert. Ils évoquent bien le victorieux roi Clovis, mais c'est essentiellement pour dénoncer la barbarie et les dévastations que Clovis a commises dans les environs d'Arles. À l'étranger, c'est un peu la même chose. Procope, lorsqu'il compose le récit des guerres de Justinien, n'ignore pas que les Francs sont catholiques. Mais il les suppose tels pour des événements qu'il situe très mal dans le temps et qui eurent vraisemblablement lieu avant 476. Vers la même époque, Jordanes mentionne incidemment le nom de Clovis lorsqu'il écrit son histoire des Goths, mais il commet déjà des confusions généalogiques et ne signale absolument rien de remarquable sur le personnage. On comprend dès lors que la célèbre lettre de Nicier de Trèves à la reine Claudeuse XX constitue une exception. Ce texte des années 560 reprend la théologie de la victoire pour exposer que le baptême de Clovis a offert aux Francs deux succès majeurs contre les peuples extérieurs, l'un contre Alaric II, roi des Visigoths, en 507, le second contre Gondebaud, en 500. La chronologie exacte des batailles paraît ignorée de Nicier, tout comme peut-être le contexte réel de l'événement dont il dit avoir une connaissance orale, on a entendu raconter. On ne saurait donner toutefois trop d'importance à ce document. Le baptême de Clovis dans la lettre de Nicier ne constitue qu'un exemple, très rapidement évoqué, au sein d'une immense somme d'arguments
beaucoup mieux développées qui doivent aider la princesse franque Claude Oswinthe à convertir son époux, le roi des Lombards, Albois. Aujourd'hui, la lettre de Nisier n'est connue que par une seule copie manuscrite. Tout invite à penser qu'avant l'époque carolingienne, le texte n'a que très peu circulé et il n'a sans doute pas quitté la région de Trèves, sauf peut-être éventuellement pour aller à Reims. Il s'agit là de la première présentation du règne de Clovis comme d'un moment de changement fort. Or, Grégoire de Tours a eu accès à un état ancien de cette collection épistolaire qui nous transmet la lettre de Nisier de Trèves et dont il cite la première lettre, qui est un texte de Rémy de Reims. Il n'est pas impossible que certaines idées de Grégoire viennent aussi de la lettre de Nisier, ou en tout cas du milieu où elle a été produite puis conservée, qui est le milieu de Magnéric, évêque de Trèves. Même si le texte de Nisier mérite l'intérêt, la focalisation de Grégoire de Tours sur Clovis n'était pas encore partagée en son temps et par ses contemporains. Venance Fortuna, par exemple, ne fait pas de Clovis un personnage récurrent de ses écrits. Dans ses Carmina, le nom de Clovis n'apparaît qu'une seule fois, dans l'épitaphe du petit prince Chrodobert, où on peut raisonnablement se demander si le mot Clovis ne vient pas seulement servir les besoins de l'anaphore avec Chrodobert. Le fondateur de la dynastie se retrouve une seconde fois mentionné, mais sans être nommé, dans un toast porté en l'honneur de Childebert II, à qui on souhaite d'être aussi vaillant que son arrière-grand-père. Il n'y a guère que la vie d'Hilaire, composée entre 568 et 573, qui voit Venance Fortuna s'attarder un peu sur le personnage. Notre poète italien rapporte alors que Clovis, dont la religion n'est pas précisée, allait combattre les Visigoths hérétiques, qu'une lumière est sortie de la basilique Saint-Hilaire de Poitiers et que ce signe l'invita à aller prier dans le sanctuaire. Puis après, il triompha facilement avec la protection du grand protecteur gaulois. Nous sommes ici dans un texte de polémique anti-homéenne, mais rien n'est dit de la conversion de Clovis comme d'un moment essentiel de l'histoire des Gaules. Une fois encore, la situation est la même si on considère les sources externes au monde franc. En cette seconde moitié de VIe siècle, Agathias est le premier auteur byzantin à mentionner le nom de Clovis. Le roi apparaît comme le fondateur de la dynastie, dont les qualités sont soulignées, mais Agathias ne mentionne en aucune manière son baptême. Le nom de Clovis n'apparaît pas non plus dans la correspondance de Grégoire le Grand, alors que l'on y trouve Childebert Ier. Bref, si nous n'avions pas les 10 livres d'histoire, Clovis apparaîtrait sans doute comme le premier grand roi historique de sa dynastie, mais il resterait une figure obscure et certainement pas un révolutionnaire constantinien. Bien sûr, il ne s'agit pas de contester l'importance du récit de Grégoire de Tours, mais d'admettre qu'en son temps, ce point de vue était sans doute original et peut-être même marginal. Lorsqu'il compose les 10 livres d'histoire, Clovis n'est pas une référence indispensable pour la célébration dynastique. Ses victoires commencent juste à apparaître comme un argument des polémistes anti-ariens. On voit ici la différence avec Constantin, dont le nom est omniprésent dans la production historiographique de l'Empire tardif. Essayons maintenant d'adopter une autre approche. Parmi les très rares documents qui nous permettent de deviner l'action de Clovis en tant que roi chrétien, on trouve les actes du Concile d'Orléans, tenus le 10 juillet 511. Cette assemblée conciliaire majeure, convoquée par un souverain nouvellement converti au catholicisme, semblait permettre une comparaison aisée avec le Concile de Nicée, réuni par Constantin en 525 pour condamner Arius. Le contenu du Concile d'Orléans pouvait aussi s'y prêter. Le canon 10 présente une condamnation nette de l'arianisme au sein d'une prescription qui vise à régler le devenir du personnel et du patrimoine de l'Église visigothique après la conquête de l'Aquitaine en 507-508. Ajoutons que pour parler des grands conciles, la réminiscence constantinienne était dans l'air du temps. À l'époque où Grégoire de Tours achève ses 10 livres d'histoire, Jean de Biclard compose sa chronique. Dans celle-ci, il n'hésite pas à dresser un parallèle explicite entre la réunion de Tolède III, ordonnée par le roi Visigoth Recared, et la tenue des grands conciles œcuméniques de Nicée et Chalcédoine sous les empereurs Constantin et Martien. Or, les 10 livres d'histoire n'évoquent à aucun moment le concile d'Orléans. Comment expliquer le silence de Grégoire de Tours sur ce qui semble le geste le plus constantinien de Clovis? Alors, une première explication très simple pourrait résider dans le fait que Grégoire de Tours ignore l'existence du concile de 511. Avouons que c'est assez peu vraisemblable. Les canons du concile d'Orléans I comptent parmi les mieux transmis dans les collections canoniques du VIe siècle qui nous sont conservées. On les retrouve déjà dans la collection de Corbie, sans doute débutée vers 524 et complétée jusqu'en 573,
Les canons d'Orléans 1 sont également repris dans les collections de Lyon, de Lorge, de Cologne, de Saint-Maur, de Reims et dans la collection de Pitou. En somme, si on exclut le cas particulier des conciles provençaux, il s'agit d'un des conciles les plus utilisés par les auteurs de collections anciennes en Gaule franque. En outre, on sait que Grégoire de Tours se montre très familier des collections canoniques, au point, en 577, de contester l'authenticité d'une collection canonique qui lui est présentée au Concile de Paris de 577 et où il constate qu'un quaternion a été rajouté. Il paraît dès lors très peu probable que Grégoire n'ait pas eu une connaissance de la tenue d'une réunion majeure à Orléans en 511 et du prologue qui mentionnait explicitement la responsabilité de Clovis dans la convocation. Mieux vaut supposer que Grégoire de Tours, comme plusieurs de ses contemporains, a été en réalité gêné par la teneur de certaines dispositions du Concile de 511. Le canon 4 du Concile d'Orléans prévoyait qu'on ne pourrait, je cite, « promouvoir aucun séculier à la fonction cléricale si ce n'était par l'ordre du roi ou avec l'autorisation du iudex du comte ». Cette disposition permettait au pouvoir royal de s'immiscer dans les ordinations de clercs au risque de créer des scandales. Certains s'en irritèrent. Nous conservons à ce sujet une lettre de Rémy de Reims composée en 512 qui répond aux accusations de trois de ses collègues. Les collègues lui disaient « Il vaudrait mieux que vous ne fussiez pas né. Cela m'aurait été agréable puisque cela m'aurait épargné de m'entendre accusé de transgression. Moi, j'ai ordonné Clodre prêtre sans être corrompu par une gratification, mais sur les témoignages de ce roi excellent entre tous, qui était non seulement le prédicateur de la foi, mais son défenseur. Vous écrivez « Ce qu'il a ordonné n'était pas canonique ». Vous exercez certes le sacerdoce suprême, mais c'est le commandant des pays, le gardien de la patrie, le triomphateur des nations qui l'a ordonné. Emporté par votre colère, vous m'accablez sans retenue, au point de ne même pas avoir de respect pour l'auteur de votre épiscopat. Visiblement, dès les lendemains de la mort de Clovis, l'article 4 du Concile d'Orléans avait suscité le débat. Rémy affirmait avoir respecté la norme qui en découlait, en ordonnant un laïc prêtre, au nom du droit, mais aussi de l'attachement qu'il avait envers le roi qui soutenait la foi catholique. Assez perfidement, l'évêque de Reims laissait aussi entendre à ses trois contradicteurs que eux-mêmes avaient profité du patronage royal pour obtenir leur siège épiscopal. Mais dans un sens contraire, une partie de l'épiscopat semble avoir été vent debout contre cette immixtion du pouvoir royal dans le choix des nouveaux clercs. Cela explique sans doute pourquoi, dans la plupart des collections canoniques du VIe siècle, les actes du Concile d'Orléans sont repris, mais pas le canon 4. Historiquement, on sait bien sûr que le principe d'une désignation ou d'une validation des nouveaux évêques par le roi l'emporta dans la Gaule mérovingienne. Grégoire de Tours lui-même dut sa consécration épiscopale à la volonté de Sigebert Ier d'Austrasie. En même temps, beaucoup de clercs continuèrent de tenir ces interventions royales pour des gestes non canoniques. La quasi-totalité des œuvres hagiographiques du VIe siècle font le choix de présenter les élections des saints comme s'étant déroulées cléro et populo et non selon les modalités d'Orléans I. On peut désormais comprendre la gêne de Grégoire de Tours face à un concile fondateur, mais fondateur d'une tradition très contestée. D'autres canons d'Orléans I traitaient de l'implication du roi dans la constitution des patrimoines ecclésiastiques. Là encore, une majorité de collections canoniques anciennes firent le choix de ne pas recopier ces dispositions, ce que l'on peut aussi comprendre. Le canon 10 prévoyait les conditions du passage des basiliques hérétiques au culte catholique. Or, nous conservons une lettre de l'évêque Avit de Vienne qui, sans nommer les pères conciliaires d'Orléans I, se déclarait hostile aux modalités qui avaient été choisies. Lors du concile d'Épaône de 517, les évêques du royaume Burgonde décidèrent d'interdire le transfert des édifices hérétiques au culte catholique. Il apparaît dès lors que le canon 10 d'Orléans I ne faisait pas l'unanimité. Il fut retiré de certaines connexions canoniques, alors que sur le même sujet, le canon 33 du concile d'Épaône bénéficiait d'une réception parfaite pendant tout le VIe siècle. Les canons 5 et 7 d'Orléans I évoquaient différents transferts de biens opérés par Clovis en faveur de clercs ou d'églises. En tant que tels, ces textes n'avaient rien pour choquer en Gaule du VIe siècle. Pour comprendre leur exclusion de la plupart des collections canoniques du VIe siècle, il faut relire les actes du Petit Concile de Paris III,
tenue sous le règne de Caribert entre 561 et 568. Les pères conciliaires y dénoncèrent certaines libéralités royales dans la mesure où les éléments de patrimoine concédés à des évêques avaient été formés à partir de biens volés, et notamment de biens qui avaient été volés à d'autres évêques. En somme, Clovis avait utilisé des biens d'église pour se constituer un réseau de fidélité. Le canon 1 de Paris III jeta l'opprobre sur une telle politique. Il ménagea simplement la mémoire du roi en affectant de croire que Clovis n'était pas véritablement responsable des actes de donation incriminés. Il est arrivé que dans des temps de discorde, certains aient occupé des biens d'église en se prévalant d'une concession de notre Seigneur le roi Clovis de bonne mémoire et qu'ayant subi le sort commun, ils les avaient laissés à leurs propres héritiers. Il convient que ceux-là également, si admonestés par l'évêque et la vérité une fois établie, ne restituent pas les biens à Dieu, ils soient privés de la participation à Sainte Communion, car ces biens de Dieu qui, on doit le croire, ont fait périr leurs prédécesseurs d'une mort précoce, les fils ne doivent pas non plus les posséder. En résumé, les pères du concile de Tours III affirmaient que les bénéficiaires des donations de Clovis, ces fameuses donations qui avaient été validées par Orléans I, ces bénéficiaires avaient été victimes de miracles de châtiment et que tous leurs héritiers risquaient le même sort. Notons que le canon 8 de Paris III exprimait également sa totale opposition au droit de désignation des clercs par le pouvoir royal avec des formulations qui montrent que l'auteur connaissait et dénonçait le texte d'Orléans I. Ce concile de Paris III, extrêmement critique à l'égard de la politique de Clovis, fut souscrit par l'évêque Euphronius, cousin maternel et prédécesseur de Grégoire sur le siège de Tours. Le début du canon 1 du concile de Paris III fut en outre réutilisé pour produire le canon 26 du concile de Tours II de 567, lui aussi souscrit par Euphronius à Tours. Il est dès lors quasi certain que Grégoire de Tours ait eu une connaissance intime de la polémique qui entourait le concile d'Orléans I. On rappellera à ce propos qu'avant d'écrire les 10 livres d'histoire, Grégoire de Tours avait fait de Clovis un personnage plutôt négatif dans ses œuvres hagiographiques. Ses armées avaient pillé des biens d'église. Même si dans les 10 livres d'histoire, le même roi devenait un personnage positif, un certain silence au sujet du concile d'Orléans était sans doute nécessaire. On pourra objecter, et à raison, que Grégoire de Tours aurait pu mentionner le concile d'Orléans sans évoquer les canons 4, 5, 7 et 10 qui avaient apparemment suscité le débat. Et de fait, vous avez vu que c'est sous cette forme tronquée que le texte circulait dans la plupart des collections. Mais le contexte immédiat de rédaction le poussait peut-être à éviter de parler de cette assemblée fondatrice. À la fin des années 580, Grégoire de Tours s'était prononcé contre le roi Gontran de Burgondie qui souhaitait réunir un concile majeur de l'église franque avec tous les évêques des différents régnats des Gaules. Au livre 9, Grégoire de Tours nous rend compte de son argumentation contre le concile. Quelle raison y a-t-il de réunir en un même lieu une si grande multitude de personnes? La foi de l'Église n'est pas menacée, aucune hérésie nouvelle n'est survenue. Quelle nécessité de rassembler en un même lieu tant de seigneurs évêques? Si Grégoire de Tours repoussa fermement l'idée d'une réunion générale des Gaules, ce fut en réalité parce qu'il soutenait le choix du palais d'Austrasie, lequel s'était déclaré hostile à ce type d'assemblée, qui aurait été dangereuse pour Childebert II et ses enfants. Écrit dans un tel contexte, les 10 livres d'histoire entendaient présenter le règne de Clovis comme un modèle pour les rois présents. En mettant l'accent sur la convocation d'Orléans I, Grégoire de Tours n'aurait pu manquer de louer l'initiative, ce qui aurait pu apparaître comme une critique à l'encontre de Childebert II, lequel ne souhaitait pas du tout renouveler l'expérience. Pour résumer, le décalage entre la documentation dont Grégoire de Tours disposait et le traitement des 10 livres d'histoire témoigne de choix opérés au sein d'un spectre de narration possible. Plusieurs raisons, sans doute. Grégoire n'entendait pas faire de Clovis l'homme du concile d'Orléans. Ceci dit, un même choix est visible dans le récit finalement très sec que Grégoire fait du règne de Constantin lui-même. On nous explique que Constantin fut le 34e empereur, il régna heureusement pendant 30 ans, il vécut en même temps que Martin, il tua son fils et son épouse, on découvrit la croix à son époque, et c'est à cette époque-là que Jérôme a commencé sa chronique. Naturellement, Grégoire de Tours n'ignore pas le concile de Nicée, puisqu'il ouvre le livre 1 de ses histoires par la récitation du symbole dont il dit qu'il a été institué à Nicée par 318 évêques, mais pas par un empereur. Ce concile n'est à aucun moment des histoires rattaché au règne de Constantin. Ici, vous le voyez, la notice est tout autre.
en sélectionnant de brefs passages trouvés chez Jérôme, Sidon Apollinaire et dans la légende de l'invention de la croix, Grégoire présente des éléments offrant un parallèle qui sera un parallèle avec Clovis. Même durée de règne, au prix peut-être d'une manipulation des chiffres, même lien avec Saint-Martin, même coïncidence miraculeuse avec l'apparition des saints et des signes surnaturels, même élimination des membres de la parenté suspectés de trahison. Le règne de Constantin, comme celui de Clovis, sert aussi d'ancrage au compute ecclésiastique. Finalement, on pourrait presque se demander si c'est Clovis qui est un nouveau Constantin ou si c'est Constantin qui est un premier Clovis. Un souverain terrible, presque vétérotestamentaire, mais en rien lié à une quelconque pratique conciliaire. Il s'agit pourtant de ne pas surinterpréter le parallèle. Constantin est une personne rare dans l'œuvre de Grégoire de Tours. En dehors des 10 livres d'histoire, Grégoire ne l'évoque incidemment qu'au détour de 2 chapitres du livre sur la gloire des martyrs. Tout comme Clovis est un personnage rare, dont le nom n'est mentionné qu'une seule fois, de façon assez négative, on l'a vu, dans le livre sur la gloire des martyrs également. Bref, si la mise en scène du baptême de Clovis comme un tournant majeur de l'histoire franque est réelle dans les 10 livres d'histoire, il s'agit d'une conception tardive de Grégoire de Tours et, pour tout dire, d'une idée propre aux 10 livres d'histoire, œuvre tardive de Grégoire. Je voudrais terminer par une dernière approche en m'interrogeant sur le ou les personnages que les contemporains des temps mérovingiens auraient pu percevoir comme étant le premier grand roi chrétien de la dynastie. Cela revient encore une fois à relativiser le témoignage des 10 livres d'histoire et à réévaluer d'autres sources, mais peut-être au prix d'autres méthodes. L'étude des réseaux, par exemple, invite à privilégier le nombre de mentions dont bénéficie un personnage plutôt que la longueur des textes qui lui sont consacrés. Si l'on choisit ainsi de mettre l'accent sur le réseau et le rayonnement international, le roi mérovingien le plus souvent mentionné par des sources distantes est assurément Théodebert Ier. Ce n'est pas vraiment une surprise. Théodebert Ier avait un pouvoir qui s'étendait du Moyen Danube jusqu'à la Septimanie, jusqu'à l'Italie padane également. Il fut le seul mérovingien à recevoir le surnom de Magnus, le Grand, et des pièces d'or furent frappées à son nom à la grande colère de Procope. Selon Agathias, les Byzantins le craignaient et redoutaient qu'il ne tente de conquérir Constantinople. Théodebert Ier était assurément un roi chrétien. Mieux encore, il affirmait son pouvoir de la bienveillance permanente que Dieu lui accordait. On a conservé une lettre étonnante que Théodebert Ier envoya à l'empereur Justinien, sans doute entre 539 et 548. Il explique l'étendue de sa domination qui se fait avec l'aide de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la bonté de Dieu, sous la protection de Dieu, une domination européenne pour les progrès des catholiques et un royaume que Dieu nous a accordé. Il est bien entendu impossible de savoir si cette rhétorique était intériorisée ou si elle constituait un simple élément de discours justifiant une alliance ponctuelle entre les Francs de l'Est et Constantinople au nom d'une commune adhésion au catholicisme nicéen. Mais la dimension chrétienne du pouvoir de Théodebert Ier est aussi célébrée partout, et notamment par une lettre d'éloge envoyée par un évêque nommé Aurélien, qui vivait sans doute dans une zone contrôlée par les Francs en Italie du Nord. Cette lettre est remarquable en cela qu'elle débute par un éloge des ancêtres de Théodebert Ier, construit sur la figure de style du Nobilis Nobilior. La dynastie franque est glorieuse, mais il n'y a pas besoin d'évoquer les ancêtres, parce que Théodebert est le modèle des rois du futur. Clovis est donc complètement oublié et Aurélien ajoute que le véritable roi chrétien, c'est Théodebert et que le seul modèle possible pour ce roi n'est pas ses ancêtres, mais les anges, et notamment les anges les mieux placés dans la hiérarchie céleste. Clovis n'a rien à faire dans un tel tableau. Il est vrai qu'Aurélien appartenait sans doute au réseau familial des Eunodii. Or, pour ces lettrés, on l'a vu avec la communication de Stéphane Johanny, la campagne franque de 507 avait constitué un traumatisme. Clovis, qui en était responsable, ne comptait certainement pas parmi les héros des Eunodii, malgré son catholicisme. Pour finir, notons qu'après la mort de Théodebert, Justinien chercha à noircir la figure du défunt en évoquant des églises dont Théodebert aurait perturbé le fonctionnement en Italie. La chancellerie du palais d'Austrasie répondit par une lettre au nom du roi enfant Théodebald, et ce texte faisait encore de Théodebert le parangon, le symbole de toutes les vertus chrétiennes de sa dynastie. Ici, la théologie de la victoire chrétienne, inspirée de celle de Césarée, venait servir un roi, mais pas Clovis, Théodebert, qui avait mené ses troupes à la victoire dans une conquête de l'Italie au nom de Dieu. Si l'on considère maintenant le nombre de mentions au sein du monde franc,
le Mérovingien le plus souvent évoqué comme roi chrétien, voire même très chrétien au VIe siècle, est Childebert Ier. Personnage très secondaire pour Grégoire de Tours, il est en revanche omniprésent dans la géographie, l'épistolographie, les actes conciliaires et les listes mémorielles. On sait que Childebert Ier se distingua progressivement de son père en se construisant une image de roi bienveillant. Dans le choix des nouveaux évêques, il semble avoir principalement donné sa faveur à des personnalités spirituelles et pas des laïcs, à des gens comme Père d'Avranches, Cléobinus de Chartres, Germain de Paris. À travers tout le royaume, Childebert avait fondé des monastères, doté des établissements charitables, dialogué avec les saints personnages. Quant à son épouse, Ultrogoto, elle bénéficia d'une réputation de sainteté avant Clotilde, veuve de Clovis. Au tournant des années 540 et 550, Childebert Ier discuta également avec le pape. Et si nul ne compara jamais Childebert Ier à Constantin, les parallèles étaient encore plus frappateurs. Écrivant une génération après la mort de Childebert, Venance Fortuna présente le roi comme un monarque paré de toutes les qualités, qui appelle un parallèle avec les meilleurs rois de l'Ancien Testament, puisqu'il est un nouveau Melchizedek. Par contraste, on se souvient que les mêmes Carmina de Fortuna n'évoquent Clovis que comme un simple nom évoqué au moment d'un banquet. La faveur envers le personnage de Childebert Ier peut aussi se deviner en termes de préservation documentaire. Les canons des grands conciles qu'il avait réunis à Orléans en 538 et 549 firent l'objet d'une excellente transmission, sans les altérations que l'on avait vues pour le concile d'Orléans I. De même, vers 540, Childebert Ier promulgua un praeceptum ordonnant la destruction des idoles au nom de son catholicisme. Ce texte semble avoir été très bien reçu par l'épiscopat et il fut repris par l'auteur de la collection de Corbie. Cette collection intégra également un édit de Clotaire Ier touchant à plusieurs affaires ecclésiastiques. Par contraste, les compilateurs de la collection de Corbie ne reprirent aucun élément de la législation de Clovis, si jamais elle a existé. Tout au plus intégrèrent-ils une lettre de Clovis sur la libération des membres des familiae ecclésiastiques capturés pendant la guerre de 507-508, autant dire un texte qui ne donnait pas forcément du règne une vision extrêmement positive. Remarquons que, pour des raisons diverses, les fils et petits-fils de Clovis se détournèrent également de la nécropole que ce dernier avait initiée aux saints apôtres de Paris. Les empereurs de Constantinople avaient l'obligation de se montrer comme les héritiers de Constantin. Ils reposèrent presque tous aux saints apôtres de Constantinople. Inversement, les rois mérovingiens n'éprouvèrent visiblement pas le besoin de prendre Clovis comme référence permanente et encore moins de le rejoindre dans la tombe. Leur sujet en avait conscience. Prenons par exemple une lettre miroir composée dans les années 640, composée par un évêque anonyme pour un des fils de Dagobert Ier, mais surtout par un auteur qui visiblement n'est pas influencé par Grégoire de Tours et qui n'a peut-être même pas eu accès à la version B de ses histoires. Voici ce qu'il écrit. « Ton quadrisiaïeul Clovis a eu trois fils, Childebert, Clotaire et Clodomir. En Childebert, il y avait tant de sagesse, et on a la liste des vertus de Childebert. Clotaire l'Ancien a également de nombreuses qualités, et Clotaire II est également paré de nombreuses qualités qui en fait presque un prêtre de ce siècle. Childebert Ier, Clotaire Ier, Clotaire II, tels avaient été les bons rois de la dynastie aux yeux de cet évêque des années 640. Alors que pour Grégoire de Tours, ces mêmes rois avaient été quelconques, voire mauvais. Remarquons aussi que pour notre rédacteur anonyme des années 640, rien n'est possible de dire, on ne peut rien dire sur Clovis, il n'a rien fait de particulier, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a existé. Le texte est ici similaire au point de vue d'Agathias. Plutôt que de conclure, je voudrais achever ce propos par un petit appel à la prudence en matière d'interprétation. Pour parler d'un roi nouvellement converti, la référence à Constantin était possible au VIe siècle. On sait que Grégoire le Grand en fit usage à plusieurs reprises, notamment dans sa lettre pour la princesse mérovingienne Bertha, mariée à Ethelbert du Kent. Mais un tel parallèle avec Constantin n'était pas indispensable. David de Vienne à Nisier de Trèves, les commentateurs du règne de Clovis ne l'utilisèrent pas pendant près de trois quarts de siècle. En second lieu, pour des raisons qui nous échappent, le règne de Clovis n'avait pas laissé que de bons souvenirs, notamment au sein de l'Église. Les principales initiatives royales prises au moment du concile d'Orléans I furent au mieux débattues, au pire rejetées.
Il est possible que la conversion de Clovis ait été par certains côtés un peu comme la conversion de Sigismond, qui, après son passage au catholicisme, fut perçu comme un personnage envahissant et embarrassant par l'épiscopat catholique de la vallée du Rhône, avant d'être tardivement réhabilité. Par contraste, on a vu que beaucoup d'activités des fils de Clovis bénéficièrent d'une réception très positive en leur temps. Au pire, ces rois étaient des grands pécheurs, mais ils avaient été des grands chrétiens et leur mémoire fut immédiatement entretenue. Par conséquent, si nous ne possédions pas le récit de Grégoire de Tours, l'expression de tournant constantinien n'aura probablement jamais été appliquée au règne de Clovis. Ce dernier aurait été perçu comme un roi chrétien, oui, converti au catholicisme, oui, mais comme beaucoup de ces petits rois suèves, dont Idavs de Chaves mentionne le nom, sans en faire le moindre portrait élogieux. Troisièmement, faute d'une ambiance constantinienne autour des années 500, il n'y a peut-être pas à chercher une référence à Constantin dans certaines décisions attribuées à Clovis. Par exemple, même si elle était avérée, l'installation d'une capitale à Paris vers 510 ne renvoie pas forcément à la fondation de Constantinople. La construction de la basilique sur la montagne Sainte-Geneviève ne fait pas forcément écho à l'église funéraire des saints apôtres de Constantinople, mais témoigne peut-être juste de l'arrivée de reliques romaines, similaires à celles que le roi burgonde Sigismond a obtenues à la même époque. Soulignons pour finir que si l'expression de « nouveau Constantin » permit à Grégoire de Tours de mener un jeu savant qui peut être apprécié des lecteurs d'Eusèbe de Césarée et de Lactus Silvestri, sa présentation demeure isolée et appelée à peu de postérité. Clovis et Constantin restèrent pendant longtemps des références rares. On préférait les références avec des rois bibliques, les parallèles que l'on retrouve dans le Miroir des Princes des années 600. Comme l'ont bien montré les travaux de Martin Heinzelmann, le clovisocentrisme n'appartient qu'à Grégoire de Tours. Mais dans la mesure où son œuvre connut une diffusion considérable dans la seconde moitié du 7e siècle, elle imposa sa vision et effaça les perceptions jusque-là dominantes. La conversion de Clovis, minorité et porte, devint une référence indispensable en termes de foi, de droit et même d'identité ethnique. En somme, le baptême ne fut pas un grand événement de l'histoire des Francs, mais il le devint après les 10 livres d'histoire. Moins que Constantin et Clovis, la véritable comparaison devrait peut-être donc se faire entre Eusèbe de Césarée et Grégoire de Tours. L'extraordinaire succès de leurs œuvres a fait oublier qu'en leur temps, leurs deux points de vue étaient sans doute extrêmement marginaux. Merci beaucoup. Cette exposition très intéressante et précise des aspects de le baptême et dans le contexte historiographique et en quel la mémoire. Je donne la parole à François Bugat maintenant. Monsieur Bugat est maintenant le directeur de l'Institut d'histoire. Il est directeur de l'Institut de recherche d'histoire des textes à Paris pour le CNRS et sa conférence sur les Francs, les papes, Rome. Merci, Madame la Présidente. L'histoire des relations entre les... L'histoire des relations entre les Francs et la papauté a basculé au milieu du 8e siècle du fait de ce qu'on présente volontiers aux étudiantes de première année comme une association de malfaiteurs. Selon une expression qui présente l'efficacité de la caricature, le pape cautionnant un coup d'État en Gaule, les Francs se prêtant à l'entreprise pontificale visant à en finir avec la menace lombarde et, au-delà d'elle, de l'autorité de Byzance. Passer en revue les traits saillants d'une relation jusqu'à la veille du basculement vers la période franque de la papauté n'est peut-être pas inutile pour mieux en comprendre la genèse. Je précise que par franc, j'entends la Gaule sous régime franc, c'est-à-dire le ou les royaumes dirigés par Clovis et ses successeurs, indépendamment du fait de savoir s'ils sont plutôt gallo-romains ou plutôt francs, donc sans dimension identitaire. Tout commence avec le baptême de Clovis. Dans la notice consacrée à Hormisdas, dont on vous a déjà parlé, le Liber Pontificalis consigne le don d'une couronne votive décorée de pierres précieuses à l'apôtre Pierre de la part du roi des Francs Clovis, chrétien. Il s'agit bien de la première donation à Saint-Pierre faite par un souverain autre que l'empereur dont fait état le Liber
et ce souverain est Clovis, ou celui qui a agi en son nom. Ajouter qu'il est chrétien, comme si cela n'allait pas de soi, en dit long sur l'importance donnée à cette qualité. Mais il faut aussi remettre l'adjectif « christianum » dans son contexte, c'est-à-dire dans la hiérarchie établie par le rédacteur du Liber Pontificalis. Car la notice poursuit avec les dons venant de l'empereur Justin, dit orthodoxe, et ceux du roi ostrogoth Théodorique, qui n'est pas autrement qualifié. Entre l'empereur à la fois droite et l'arien Théodorique, beau-frère de Clovis, Clovis, lui, occupe comme une position moyenne. La mention du Liber Pontificalis vaut accusé de réception, autant qu'un long discours de l'annonce de la conversion d'une gens subordonnée à Constantinople. Le fait que cet accusé de réception soit tardif, puisque, on vous l'a dit, la couronne arrive après la mort de Clovis, est une autre question. Mais est-ce le seul écho retardé qu'a donné Rome à la conversion de Clovis ? Le Liber Pontificalis, toujours dans la notice consacrée à Symmac, fait état de la construction d'une basilique dédiée aux saints Sylvestre et Martin, à côté du Forum de Trajan. C'est le premier édifice dédié à la mémoire de Martin à Rome. On sait la promesse qu'avait faite Clovis sur le tombeau de Martin, d'après Nisier de Trèves, et le rôle joué par saint Martin à la bataille de Vouillé, d'après Grégoire de Tours. Il est tentant de mettre en relation la conversion et le baptême de Clovis et la construction de cette église. Le fait qu'elle soit construite à l'emplacement de celle dédiée à Sylvestre, créant ainsi une double dédicace, a peut-être une connotation constantinienne. Constantin Clovis, Sylvestre, Martin ou Symmac. Rappelons-nous enfin que Symmac eut affaire avec le schisme laurentien, avec Laurent en position de force, résidant au Latran entre 503 et 507. L'initiative de la construction de la basilique dédiée à Sylvestre et Martin pourrait être une pierre dans le jardin de Théodoric au moment où celui-ci soutient Laurent. Je donne cet élément au débat. Après cet épisode fondateur, repartons de la lecture de Grégoire de Tours. Rome et la papauté ne sont pas à première vue au premier rang de ses préoccupations. Certes, Grégoire connaît la succession des évêques de l'Église romaine des premiers temps, celui des martyrs. Mais quand les 10 livres d'histoire s'aventurent hors de la Gaule, leur guide chronologique est celui de l'Empire. Les horizons de leur auteur sont ceux de l'Espagne visigothique, de la Bretagne, de l'Italie ostrogothique et lombarde, de Constantinople ou de terres plus lointaines encore. Rarement de Rome pour elle-même et pour sa qualité pontificale. Certes, Rome bénéficie dans la gloire des martyrs d'une description de ce qu'il faut savoir non seulement des apôtres Pierre et Paul, du Vatican, c'est-à-dire la basilique Saint-Pierre, de l'accès au tombeau et de ce qu'on en rapporte, mais aussi des lieux gardant le souvenir des saints Chrysanthe et Daria, de saint Pancras. Il s'agit d'une grille qui est commune à la présentation des villes dignes d'un détour, comme Bologne, Milan, Autun, Dijon, etc. Des villes auxquelles sont à chaque fois consacrées une description et quelques mots sur l'intérêt et l'efficacité de leur pèlerinage. Aucune ne peut certes rivaliser avec Rome, mais aucune n'est non plus traitée différemment. Pour autant, quels que soient les mérites des saints gaulois, Rome n'en est pas moins la destination obligée. À une époque qui voit fleurir en Gaule la construction et la dédicace d'églises au nom de Pierre, à commencer par celle que Clovis fit bâtir à Paris, il est en particulier inenvisageable de ne pas se munir de reliques romaines pour la consécration des nouveaux édifices. Certains personnages envoyés à Rome ont droit à des honneurs particuliers, comme le diacre Agulfus que Grégoire avait mandaté en 589-590. Après avoir reçu les pignoras de plusieurs martyrs et confesseurs au nom du pape Pélage, Agulfus fut accompagné en procession par le clergé romain psalmodiant et par la population jusqu'à Portus, d'où il devait réembarquer pour Marseille.
L'importance de ce voyage est soulignée par le fait que Grégoire l'évoque à 3 reprises. À en juger par la cérémonie organisée à Rome au moment où Agilfus repartit en Gaule après son long séjour, cette importance était partagée dans la ville. Était-ce à cause du prestige de Martin, du siège de Martin, dont Agilfus aurait pu apporter de son côté des reliques? Nous ne le savons pas, mais il paraît clair que dès cette époque entre une dimension d'échange entre Rome et la Gaule. Et cette dimension d'échange, on l'aperçoit par exemple dans le domaine du chant liturgique, pour lequel l'adoption de la modalité de Ré au VIe siècle est un apport du nord des Alpes. Grégoire de Tours est aussi précieux pour ce qu'il dit de la relation institutionnelle entre l'Église franque et l'autorité romaine. L'autorité romaine est l'instance d'appel en cas de conflit entre les évêques. Je ne donne que 2 exemples, l'un pris dans un passé ancien, l'autre contemporain de Grégoire. Passé ancien, le successeur de Saint-Martin au siège de Tours, Brice, fut chassé de la ville pour une affaire de mœurs et aussitôt remplacé par un certain Justinien. Brice prit alors la route pour plaider sa cause auprès du pape de la ville de Rome. Envoyé à sa suite pour régler l'affaire, Justinien mourut à peine arrivé à Versailles et fut remplacé à son tour par quelqu'un d'autre. Au bout de 7 ans, Brice revint dans sa ville, muni d'une auctoritas pontificale, et put retrouver sa chair à la faveur du décès opportun de celui qu'il avait remplacé. On retiendra de l'épisode qu'il y eut 1. Un recours contre une déposition non canonique, 2. Qu'il est considéré comme normal que ce genre de choses se traite à Rome, 3. Que Brice dut vraisemblablement effectuer un temps de pénitence à Rome, 4. Qu'il ne put rentrer en Gaule sans une autorisation écrite du pape. 2e exemple contemporain, au début des années 560, l'évêque de Saintes, Émérius, dont l'élection était considérée comme non canonique, puisqu'elle n'avait pas été avalisée par le métropolitain, Émérius avait été remplacé par un certain Héraclius dans un synode réuni à Saintes. Quand Héraclius vint porter au roi ce nouveau décrétum souscrit par les pères du concile, en affectant de saluer Caribert au nom du détenteur du siège apostolique, il se vit demander s'il venait de Rome porteur du salut du pape de la ville. La boutade est révélatrice non seulement du fait qu'à la fin du VIe siècle, l'expression « siège apostolique » pouvait s'entendre en Gaule comme une référence au seul siège romain, si l'on ne prenait pas soin de la préciser, mais aussi que, tout au moins sous la plume de Grégoire, le roi franc considère comme ordinaire les échanges de messages avec la papauté. Les sources des années antérieures au récit de Grégoire de Tours ne confirment qu'en partie l'image que donnent les 10 livres d'histoire. Les épistolets Are Latenses témoignent d'abord d'une relation directe entre le pape et le roi sur d'autres thèmes que les litiges mettant en cause des évêques. Théodebert Ier avait par exemple consulté le pape Vigile sur une question d'inceste. Childebert Ier, lui, avait envoyé une pétition pour demander un privilège en faveur du monastère qu'il avait fondé dans la cité d'Arles. Vigile avait confié le soin de répondre à la question du premier à Césaire d'Arles. Or, Grégoire de Tours ne dit pas un mot de l'institution du vicariat. Si Grégoire de Tours pêche par omission, c'est cependant moins sur cette dimension institutionnelle que sur la controverse des 3 chapitres, qui est en revanche au centre des préoccupations des échanges épistolaires des années 540-550. Dès la génération des fils de Clovis, pourtant, l'affaire avait placé l'Église franque face à un enjeu doctrinal impliquant l'ensemble de l'Empire. Si elle eut un tel retentissement en Gaule, c'est, semble-t-il, en large partie du fait de l'implication directe de Childebert, assurément par intérêt personnel pour la question religieuse, mais aussi parce que cela lui donnait la double opportunité de faire entendre la voix de l'Église dont il était le chef et de montrer que lui, son chef, ne saurait se montrer indifférent dans une question impliquant la nature du Christ. Si l'empereur considérait que cela était de son ressort, les rois ne pouvaient se dérober. On sait bien que Chilpéric ne fut pas en reste.
dans sa tentative d'introduire le sabellianisme en Gaule, ce qui relève de l'imitatio imperii. Alors que, dès l'automne 545, le pape Vigile se trouvait durablement éloigné de la ville, en Sicile, puis à Constantinople, prendre position à titre collectif en matière d'orthodoxie était faire preuve d'une maturité nouvelle dans un registre bien différent de celui de la consultation du siège romain sur des points de discipline ou de l'alignement sur ses pratiques en matière de compute ou de liturgie. Il s'agissait aussi de se poser en interlocuteur de Byzance sur un autre terrain que militaire, après que l'intégration de la Provence avait ouvert une page de collaboration avec les Ostrogoths contre l'armée grecque, dont le secours était indispensable au pape. Le concile réuni à Orléans en 549, le plus important du VIe siècle par le nombre des participants, est le premier témoignage d'une réaction collective en Gaule après la publication, l'année précédente, du Judicatum de Vigile, dans lequel le pape s'alignait sur le rejet des trois chapitres tout en affirmant respecter l'ensemble des décisions du concile de Chalcédoine. Le premier canon du concile d'Orléans condamne Nestorius et Eutyches en indiquant partager la position du Saint-Siège apostolique. Présentée comme constitution, la déclaration était explicite mais modérée dans son soutien à Vigile, à 100 lieues en tout cas de la violence du tollé déclenché contre Vigile en Illyrie et en Afrique. Elle est surtout remarquable parce que, pour la première fois, une prise de position dogmatique figurait en ouverture des actes d'un concile franc. Reste qu'on n'est pas certain du niveau d'information des pères du concile quant à la teneur du message des sectes qu'ils condamnaient. On ne sait pas si le texte même du Judicatum de Vigile était connu, ou bien si l'épiscopat franc en était resté à la ferme opposition manifestée par les représentants de Rome face au premier décret de Justinien en 543-545. Le libelle qu'avait rédigé Avit de Vienne à l'attention de Gondebaud en 512-513 contre Eutyches, qui aurait pu être consulté, n'était pas d'un grand secours puisque Avit de Vienne, on le sait, confond la doctrine de Eutyches avec celle de Nestorius, peut-être à dessein, mais peut-être aussi par réelle difficulté à maîtriser le dossier. Mais il s'agissait moins de discuter sur le fond que d'afficher la fermeté d'une position en noir et blanc, Eutyches-Nestorius formant comme un couple indissociable, en dépit de son antinomie, et formant repoussoir contre Chalcédoine, et, fort de cette position, de ne pas en démordre. La formulation plutôt minimaliste du canon d'Orléans laisse toutefois entrevoir comme un malaise que Vigile s'efforça de dissiper au printemps 550 auprès d'Aurélien d'Arles. Répondant à sa demande de clarification, en affirmant n'avoir rien renié des quatre conciles œcuméniques, il chargeait aussi son vicaire de transmettre aux évêques de ne pas se laisser troubler par les fausses rumeurs écrites ou orales à son sujet. L'affaire rebondit en 551, d'une part à cause du nouvel édit promulgué par Justinien contre les trois chapitres, qui suscita cette fois la vive opposition de Vigile, d'autre part de l'ambassade envoyée par l'empereur auprès du roi Théodebalde, alors maître d'une bonne partie de l'Italie du Nord, pour lui demander de s'allier avec lui contre Totila, tout en se retirant des territoires qu'il occupait indûment. Les représentants de Théodebalde, envoyés en retour à Constantinople, reçurent au cours de leur passage en Italie une lettre, dite dans l'historiographie du clergé milanais, mais émanant plus probablement d'évêques, peut-être réunis en concile. L'ambassade est mise en garde contre les pressions qui pèseront sur elle à Constantinople et contre le danger que l'envoyé de l'église d'Arles sur place, circonvenu, ne revienne avec des mensonges destiné à faire basculer le clergé gaulois du côté impérial. Surtout, la lettre fait état des propos tenus par l'évêque de Milan, Dacius, fidèle soutien de Vigile. Il s'était exprimé au nom, je cite, « des prêtres parmi lesquels mon église est établie, c'est-à-dire de Gaule, de Burgondie, d'Espagne, de Ligurie, d'Émilie et de Vénétie. La solidarité franque pour la défense des trois chapitres au sein d'une communauté plus large ne semble alors faire de doute pour personne. »
la poursuite du débat sous Pélage, élu en 556, après que Vigile et lui-même avaient dû, bon gré mal gré, s'aligner sur la position de Justinien. La poursuite du débat donc vit Childebert en première ligne dans la communication avec le pape. Cette fois, c'est le roi qui pose les questions et fait état des accusations portées contre le pape. Celui-ci fut contraint de faire parvenir une profession de foi détaillée à Childebert et à l'ensemble des évêques de Gaule pour tenter de dissiper l'idée de toute compromission avec les adversaires des trois chapitres, tout en reconnaissant ne pas avoir toujours eu la même position sur la question. Le décès de Pélage en 561 mit fin à ce qui pouvait tourner à un affrontement. On ne peut en tout cas qu'être frappé par l'écho différent qui a été renvoyé du débat ici et là. Ces moments les plus dramatiques ne sont connus que par le petit recueil dit des Vigilius Briefe, élément d'un dossier relatif aux querelles christologiques récentes, copié vers le milieu du 8e siècle dans la région de Bourges. Les épistolets Arelatenses, elles, fournissent une vision plus apaisée et romaine qui conforte l'hypothèse formulée par Stéphane Johanni, selon laquelle ce Liber Auctoritatum d'Arles aurait pu être composé à l'initiative de la papauté plutôt qu'à celle des titulaires du vicariat. On perçoit aussi sur le vif les conditions concrètes du débat en Gaule, largement dépendantes de celles de la circulation de l'information autorisée ou non autorisée. C'est, semble-t-il, encore sur la foi d'une rumeur que Nisier du Trèves, en 564-565, envoya ainsi une lettre virulente à Justinien, dont la tentative de promouvoir l'aphtardocétisme, c'est-à-dire l'incorruptibilité du corps du Christ avant la Passion, lettre virulente à Justinien, donc où Nisier dit la position de Justinien suscitait l'opposition à Constantinople, et Nisier lance sur l'empereur l'anathème au nom de toute l'Italie, de l'Afrique entière, de l'Espagne et de la Gaule réunie. Une nouvelle fois, l'accusation mal fondée sur la base de ce qu'avait bien voulu raconter à Nisier un pèlerin venu d'Orient était celle de nestorianisme. La disparition de Pélage n'a pas apporté de solution satisfaisante à la question des trois chapitres en Gaule. En 597 encore, Grégoire le Grand s'étonnait auprès de Brunehaut que celle-ci lui ait fait porter un courrier à Rome par un individu schismatique. Mais comme ses prédécesseurs, Grégoire ne put alors faire l'économie de l'affirmation de sa fidélité absolue au concile de Chalcédoine. Pour autant, même s'il est avéré qu'au tournant des 6e, 7e siècles, les partisans des trois chapitres dans le monde franc n'avaient pas désarmé, cela n'a pas mené à afficher une position officielle contraire à celle de Rome. La maladresse diplomatique de Brunehaut est plutôt à mettre au compte d'une progressive prise de distance de la Gaule avec Rome. Depuis le milieu du 6e siècle, la vague des compilations de lettres pontificales dans les recueils de droit canonique avait ainsi cessé, moins probablement parce que les débats et les louvoiements liés aux trois chapitres avaient instillé un doute quant à la légitimité romaine, mais parce que ce qui venait de Rome relevait d'un héritage et qu'il appartenait désormais de s'en remettre à soi-même. La correspondance de Grégoire le Grand permet surtout de remettre l'accent sur des enjeux de gestion plus quotidienne des affaires ecclésiastiques. Comme pour ses prédécesseurs, ses interlocuteurs sont représentatifs de deux cercles, méridional d'une part, royal de l'autre. Les questions disciplinaires impliquant des évêques ne sauraient ainsi être réglées sans que la cour en soit informée, ce qui suppose qu'elle-même est autorisée à consulter Rome, voire qu'elle en ait pris l'initiative. La papauté est par ailleurs toujours sollicitée pour les reliques. On sait bien que Grégoire lui-même n'est pas avare de l'envoi de reliques aux individus, dans un geste qui ne relève pas seulement du cadeau d'accompagnement des démarches diplomatiques, mais qui est aussi destiné à créer un lien personnel. Les clés de Saint-Pierre contenant de la limaille des chaînes de l'apôtre, transmises à Childebert, sont faites pour être portées au cou, pour protéger de tous les maux. On est tenté par un rapprochement avec le pallium, qui lui aussi est une relique de contact. Comme au temps de Vigile,
et avant lui d'Hormisdas, on cherche aussi auprès du pape un soutien institutionnel aux fondations monastiques. Saint-Cassien à Marseille, les fondations de Brunehaut à Autun. Ces demandes jettent les bases d'une diplomatique de l'exemption qui n'était encore que balbutiante avant Grégoire. Certains sujets sont plus récurrents, alimentant des échanges qui ont pu tourner au dialogue de sourds, sinon au jeu de dupes. Le premier est lié à la prétention de certains sièges épiscopaux à une position hiérarchique plus élevée. Les évêques de Vienne et de Lyon ont tenté leur chance pour se faire confirmer des privilèges présumés anciens. L'un et l'autre ont essuyé un refus poli. N'ayant pas trouvé de traces de tels documents dans les archives romaines, Grégoire demande qu'on veuille bien contrôler dans celles des demandeurs. Brunehaut eut davantage de ténacité pour faire obtenir le pallium à Syagrius d'Autun. Il semble en effet qu'elle ait pris la peine d'effectuer une démarche préalable auprès de l'empereur, dont le soutien fut communiqué à Grégoire par son apocrisière. On se souvient qu'en 543, quand Auxanius d'Arles avait formulé la requête pour lui-même, le pape Vigile lui avait répondu qu'il fallait pour cela le nihil obstat de Justinien. L'itère administratif ne semble donc pas avoir changé entre le milieu et la fin du VIe siècle, ce qui n'empêche pas le pape de se faire prier, tout en se félicitant des échos unanimes sur les qualités et les mérites de Syagrius. Il observe que celui-ci ne s'est pas manifesté personnellement alors qu'il aurait dû présenter une requête en son nom et en celui de quelques-uns de ses suffragants. D'accord donc pour le pallium qui lui sera remis une fois que l'impétrant aura fait parvenir sa postulation. Il fallut encore cependant près de 2 ans pour que Grégoire annonce enfin à Syagrius qu'il obtenait l'écharpe. Mais Grégoire pouvait difficilement s'y opposer après les multiples sollicitations envoyées pour recommander Augustin, Mélite et les moines envoyés en mission en Angleterre. On peut ainsi penser que l'affaire du pallium de Syagrius fut traitée à l'aune du Do ut des. La lettre même par laquelle Grégoire fait part de la concession du pallium semble du reste encore poser une dernière condition du fait des responsabilités supplémentaires qu'impliquera le pallium. Syagrius doit s'impliquer pour mener à bien le concile réformateur que le pape réclame depuis plusieurs années. C'est que la royauté franque opposait une résistance passive aux appels répétés de Grégoire visant à la convocation de ce synode national, entre guillemets, destiné à traiter les questions de la promotion éclair de néophytes et surtout de la simonie pour accéder aux fonctions épiscopales. Malgré les multiples pressions, rien ne fut fait. On atteignait là les limites de ce qu'il était alors possible d'attendre d'une relation placée par ailleurs sous le signe de la collaboration. Autant les souverains francs voulaient bien se faire l'instrument et le relais de la mission voulue par Grégoire de l'autre côté de la mer, autant il n'était pas envisageable de renoncer à un mode de gouvernement bien établi et qui leur donnait satisfaction. S'il faut chercher un domaine vraiment nouveau entre les années 570-580 et le temps de Grégoire le Grand dans les relations entre francs et papauté, c'est peut-être celui qui a trait à la diplomatie. En 602, 2 ambassadeurs francs envoyés à Constantinople pour négocier une paix avec l'Empire passèrent par Rome, où ils eurent un entretien secret avec Grégoire, qui se félicita de cette initiative favorable à l'établissement de la paix entre les deux parties. Selon toute probabilité, l'enjeu était celui de la présence franque en Italie du Nord, une occupation qui empiétait sur des terres théoriquement byzantines, tandis que les Lombards payaient tribut pour s'assurer de la neutralité de leurs voisins francs. Ce qui importe ici est que Brunehaut et Thierry II ont considéré que la papauté avait un rôle à jouer dans les relations internationales. Enfin, la relation avec Grégoire s'est aussi jouée sur le plan intellectuel et il est hautement probable que sa réputation littéraire y compta pour beaucoup. Dynamius et Aurelia envoient au pape des écrits témoignant de leur conversion à la vie religieuse et lui demande en retour un livre, probablement un guide spirituel, que celui-ci fait copier à leur intention. Brunehaut demande elle aussi un codex que Grégoire lui fait parvenir en s'associant à son zèle studieux. L'évêque de Lyon, lui, aurait bien aimé qu'on lui trouve à Rome des informations sur les actions ou les écrits de saint Irénée.
La quête de textes émanant de Grégoire lui-même se double ainsi d'une recherche plus générale d'informations sur les premiers temps de l'Église. Cette démarche n'était probablement pas inédite, car on peut penser que le manuscrit du martyrologe hiéronymien, qui fut copié à Auxerre sous Honnaire, était parvenu à l'évêque du fait de ses contacts avec Pélage II, évoqué plus haut, plutôt qu'avec Grégoire. Quoi qu'il en soit, la fin du VIe siècle a marqué un infléchissement dans le sens d'une meilleure connaissance des réalités romaines et pontificales. Grégoire de Tours s'en fait l'écho au début du dernier livre des histoires, à la faveur des informations que lui a rapportées le diacre Agulfus. De toute évidence, les résultats de la mission d'Agulfus à Rome furent déterminants dans l'achèvement de la rédaction de l'œuvre de Grégoire de Tours, dont l'horizon romain, nous l'avons vu, plus que la limité, a pris d'un coup la couleur du concret et de l'actualité. La longue page consacrée à l'élection de Grégoire le Grand, à l'inondation suivie d'une épidémie à Rome, à la harangue du nouveau pape à la population, à la mise en place de la litanie septiforme, tout cela donne l'impression qu'a été reversé en bloc l'ensemble du matériau venu de Rome, au point qu'on peut se demander s'il n'y avait pas là, au moins pour ce qui concerne l'élection, des éléments qui auraient dû nourrir le Liber Pontificalis, dont on sait l'indigence à propos de Grégoire le Grand. Le Liber Pontificalis est par ailleurs indirectement présent à la fin des 10 livres d'histoire dans la manière dont est exposée la succession des évêques de Tours. Or, la liste épiscopale qui sert d'épilogue au livre d'histoire n'est pas tant modelée sur le Liber lui-même que sur le catalogue félicien, que Grégoire utilise par ailleurs dans l'Ingloria Martyrum à propos du pape Jean Ier. La circulation du catalogue félicien en Gaule à la fin du VIe siècle est attestée par son association à la collection canonique dite de Sainte-Maure dans les manuscrits. Si l'on accepte l'hypothèse de Matthias Zimperl de son élaboration en Gaule même, il faut évidemment l'attribuer à Tours, ce qui implique qu'Agulfus y ait apporté un exemplaire du Liber Pontificalis dont il ne resterait pas trace. Dans un cas comme dans l'autre, il y a bien, avec la mise à disposition de ce matériau, un tournant dans la perception de la succession des pontifes romains, et ce, jusque dans la datation des 10 livres d'histoire qui intègrent l'année du pontificat de Grégoire le Grand. Reprenons les éléments évoqués jusqu'à présent pour tenter un état des lieux de la relation des Francs avec la papauté à la fin du VIe siècle. Les progrès de la christianisation signifient une diffusion toujours plus grande du culte de Pierre et la quête de reliques destinées à la consécration des nouveaux lieux de culte. Les souverains sont eux-mêmes avides de reliques et la relation filiale qu'ils entretiennent avec les papes va de pair avec leur demande récurrente de patrocinat des saints. Les déplacements des évêques ou de leurs représentants à Rome développent une connaissance des lieux saints romains qu'augmente la circulation des textes. Les conflits liés à la discipline ou à la hiérarchie ecclésiastique mènent à s'en remettre au siège romain. L'enjeu doctrinal est de toute évidence fort. La communion affichée avec Rome n'empêche pas la manifestation de certaines perplexités. Des rumeurs circulent sur l'orthodoxie des pontifes qui sont amenées à s'en justifier. En toile de fond, les événements militaires liés à la guerre gréco-gothique puis à la conquête de l'Italie par les Lombards placent à plusieurs reprises les Francs dans une situation contrastée, pactisant avec les adversaires de l'Empire tout en étant fidèles au pape, qui est sujet de l'Empire. Ces caractéristiques structurent encore le VIIe siècle. J'y relève surtout l'augmentation sensible des sollicitations pour obtenir des privilèges pontificaux qui semblent devenir une pratique courante, même si ceux qui nous sont parvenus sont falsifiés. Elles impliquent des déplacements à Rome et sont autant d'occasions d'associer à la demande du privilège celle de reliques ou de livres, bref, de nouer ou d'entretenir des contacts avec les milieux romains et la cour pontificale. S'il faut chercher une nouveauté, elle n'est pas dans les récits qui nourrissent la géographie mérovingienne, les récits de visite à Rome, de quête de reliques, mais d'une part dans le fait que le mouvement semble alors atteindre sa plus grande intensité, d'autre part qu'il n'est pas toujours à sens unique, car la Gaule est en mesure de faire parvenir ses propres reliques, celles de Sainte Aldegonde, rejoignent ainsi Rome à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle.
Les pèlerinages et la quête de reliques alimentent par ailleurs au 7e siècle la production des premiers guides connus au nord des Alpes. Les Cils Loget en sont le complément. Dans les deux cas, l'initiative de rédaction semble plutôt gauloise que romaine. Mais Rome est aussi pourvoyeuse de livres. Saint-Amand, Saint-Vendry, Sainte-Bathilde, Sainte-Gertrude s'en procurent ou tentent de le faire. Outre des reliques, le neveu de Vendry rapporte à Fontenelle divers volumes des sacrées écritures et surtout des ouvrages de Grégoire le Grand. La tradition manuscrite des best-sellers de ce dernier, les Moralia, les Dialogues, et leur utilisation dans nombre de textes hagiographiques montrent qu'ils bénéficièrent d'un succès immédiat. Je passe sur la question de la liturgie et du droit canonique. Au tournant des 7e, 8e siècles, probablement en Bourgogne, le rédacteur du catalogue canonien, qui travaillait, semble-t-il, sur la base des données du catalogue félicien et d'un exemplaire du Liber Pontificalis ayant rejoint la Gaule, concentre son attention sur les initiatives d'ordre liturgique et doctrinal prises par les papes. Comme au VIe siècle, le point le plus délicat est celui du dogme. Pour la première fois depuis la réunion d'Orléans en 549, les actes du concile neustrien réunis à Châlons vers 650 débute par un préambule rappelant l'attachement du roi, ici Clovis II, qui a convoqué la réunion, à la fois orthodoxe, et le premier canon affirme le devoir de conserver en tout point la Fidei Norma, telle qu'elle a été exposée par les pères de Nicée et confirmée par ceux de Chalcédoine, autrement dit de ne rien y changer. Si brève soit-elle, et cette fois dépourvue de référence au pape, à la différence de celle de 549, la prise de position est éloquente et tout plaide pour y voir la réaction officielle de la Neustrie aux actes du concile réuni au Latran par Martin Ier en 649. L'assemblée de 649 avait été voulue pour se prononcer sur le monothélisme qu'Héraclius avait voulu imposer en 638 et pour lequel il avait lancé une campagne d'adhésion jusque, semble-t-il, en Occident, mais qui était loin de faire l'unanimité. Or, son successeur, Constant II, venait de promulguer un typos par lequel il déclarait clore toute discussion sans se prononcer lui-même sur le fond. Le Liber Pontificalis indique qu'une copie des actes du Concile de 649 fut diffusée per omnes tractus orientis et occidentis, ce qui est confirmé par plusieurs lettres, dont une à l'évêque de Maastricht, Amand. Martin Ier lui transmet le dossier avec l'encyclique qui l'accompagnait. Dans la lettre spéciale qui était jointe, le pape demandait à l'évêque de faire connaître les actes à tous afin que fût convoqué un synode régional destiné à recueillir les souscriptions des prélats manifestant leur accord aux décisions romaines. Enfin, Amand était prié de relayer auprès du roi Sigebert, dont il était le parrain, la demande d'envoyer des évêques francs à Rome. Et dès que l'occasion se présenterait, ces derniers, en qualité d'ambassadeurs du siège apostolique, apporteraient les actes du synode à l'empereur. Ainsi, termine le pape, aurait-il participé à l'effort commun. L'avis de Saint-Éloi donne peu ou prou les mêmes indications. Et jusqu'à ce point, les deux témoignages concordent. La suite des événements est plus délicate à interpréter. D'abord, en ce qui concerne la ratification des actes du Concile du Latran par les évêques francs. Si le synode réuni à Châlons peut être considéré comme la mise en œuvre de la demande de Martin Ier en Neustrie-Bourgogne, l'Austrasie, elle, n'a semble-t-il pas donné suite à la sollicitation du pape. Le message envoyé à Didier de Cahors par Sigebert III et souscrit de sa main interdit à l'évêque de se présenter au synode qu'aurait presque convoqué le métropolitain de Bourges pour le 1er septembre, probablement 650, et dont Sigebert dit ne connaître ni le lieu ni l'ordre du jour, alors que cette réunion est censée se tenir dans son royaume. L'évêque de Bourges a de toute évidence été trop vite en besogne, en semblant oublier que son ressort ecclésiastique en Aquitaine était partagé entre la Neustrie-Bourgogne et l'Austrasie, et qu'il fallait donc compter avec l'autorité royale de Sigebert. L'ordre de Sigebert, très sec, est un coup d'arrêt à l'initiative, ce qui impliquait naturellement que Sigebert n'enverrait pas d'évêque à Rome dans la perspective d'une légation à Constantinople. Il est plus difficile, en revanche, de savoir quelle fut la position de la Neustrie sur ce point-là.
Éloi serait allé bien volontiers à Rome, mais eut un empêchement, écrit pudiquement son biographe. Si le positionnement des deux royaumes par rapport au concile de 649 et à ce que Martin Ier attendait du monde franc fut différent, cette différence ne fut peut-être pas aussi tranchée qu'on pourrait le penser. Au-delà des tiraillements internes, on a oscillé entre un soutien mesuré, et la déclaration liminaire de Chalon irait en ce sens, sans en faire trop, et la fin de non-recevoir. Outre le fait que l'opposition de Martin Ier au typos de 648 avait été largement dictée par les tenants les plus extrémistes et ne faisait pas l'unanimité à Rome même, la principale raison est que ni Clovis ni Sigebert III n'avaient intérêt à entrer dans un conflit ouvert avec Byzance. Tout post-romain que fussent les royaumes mérovingiens, leur horizon restait impérial. Le pape lui-même en était bien conscient, en sollicitant Sigebert pour un accompagnement diplomatique auprès de Constant II. Comment aussi ne s'être pas senti instrumentalisé ? Non seulement Martin demandait aux Francs de ratifier les décisions d'un concile auquel il n'avait pas été convié, pas plus que les autres églises d'Occident, en dépit de ses prétentions œcuméniques, mais il leur fallait en outre cautionner de leur diplomatie une ambassade dans laquelle ils auraient représenté le pape, auquel on sut par ailleurs bientôt que venait de se rallier l'exarque Olympios, mandaté par Constant II pour mettre la main sur Martin avant de se déclarer lui-même empereur. Il n'y avait là que des coups à prendre. La mort en martyr de Martin Ier à Kherson mit fin à d'éventuelles polémiques. Une vingtaine d'années après son décès, Saint-Ouen se fit l'écho de la vénération immédiate qui s'ensuivit en rapportant le récit de sa passion tel qu'il lui avait été transmis par un frère venu d'Orient. Très tôt, selon Théodore Spoudet, des pèlerins grecs avaient prélevé au tombeau de Martin à Kherson un morceau de mouchoir et une de ses chaussures. Et on est tenté de penser que les reliques de Saint Martin, pape romain et martyr, que l'abbaye de Chelles, la fondation de Bathilde, dont on connaît les liens avec Saint Éloi et Saint Ouen, donc reliques qu'elle possédait au début du 8e siècle, on peut penser que ces reliques sont parvenues par le même canal oriental plutôt que par l'intermédiaire de Rome. En d'autres termes, le pape est romain, mais la relique est byzantine. 25 ans plus tard, le règlement du conflit monothélite fut abordé de manière différente. Dès 678, l'empereur Constantin IV avait demandé au pape Donus d'envoyer à Constantinople une délégation représentant l'obédience romaine pour un débat destiné à mettre fin à la querelle sur la volonté du Christ. Comme en 649, un concile fut réuni à Rome pour adopter une position qui serait transmise en Orient. Cependant, la papauté prit soin cette fois d'associer à la réflexion en amont ces pans de chrétienté considérés jusque-là comme mineurs. Le contexte au nord des Alpes était de fait bien plus favorable qu'auparavant. Quelques années plus tôt, un concile réuni à Saint-Jean-de-Laune par Childéric II, alors maître des trois royaumes d'Austrasie, Neustrie et Bourgogne, s'était réclamé dans son préambule des cinq principaux synodes. L'intégration officielle du cinquième concile œcuménique était certes tardive, mais elle n'en sonnait pas moins comme une réconciliation générale. Le successeur de Donus, Agathon, convia des représentants francs à Rome. Adéodat de Toul siégea au synode réuni en 679 sur l'affaire du démembrement de l'évêché d'York et resta pour le concile suivant, mars 680, qui portait sur le monothélisme. Entre-temps, l'avait rejoint l'évêque Félix d'Arles et le diacre Torinus de Toulon au titre de la Neustrie-Bourgogne. La délégation, qui fut ensuite envoyée à Constantinople, fut exclusivement italienne, mais la lettre qu'elle a portée, issue de la réunion du printemps, était rédigée au nom de tous les évêques des régions septentrionales et occidentales, soit pour le nord des Alpes, 4 personnes, les 3 Francs et Wilfried d'York, sur 125, ce qui est ridiculement peu à l'aune de la démocratie moderne, mais n'en était pas moins une avancée considérable. Les églises sises in medio gentium, lombards, slaves, francs, gaulois, bretons, y participaient. La formulation est certes excessive, puisque l'Église d'Espagne, c'est-à-dire les Goths, faisait toujours défaut,
et que les évêques schismatiques d'Italie du Nord avaient envoyé une réponse séparée à Constantin IV. Mais qu'importe, le monde franc était bien rangé derrière Agathon et souscrivait avec les autres son appartenance à la chrétienté impériale sous l'autorité du siège de Pierre. Peu importe aussi que la distinction entre francs et gaulois vienne peut-être souligner une différence entre Austrasie et Neustrie-Bourgogne qui depuis peu n'était plus à l'ordre du jour, puisque Thierry III avait réuni les trois royaumes, ces clivages politiques internes étaient désormais sans portée pour la relation avec la papauté. Je conclus. À l'aube des années 680 et au terme d'un processus heurté, le monde franc semble ainsi s'aligner sur une attitude à la fois commune et apaisée vis-à-vis des positions doctrinales du patriarche de l'Occident. Tandis que s'effacent pour un temps les querelles christologiques, le souvenir du premier roi franc chrétien s'estompe à Rome. Sous le pontificat de Serge Ier, on mit en gage les couronnes votives placées devant l'autel et la confession de Saint-Pierre pour pouvoir s'acquitter d'une dette envers l'exarque. La couronne, qui peut-être portait le nom de Clovis, fit probablement partie du lot. Mais avec Serge Ier s'ouvre aussi une nouvelle phase, celle des missions septentrionales et de l'alliance toujours plus étroite entre les papes et les pipinides. Entre le début du VIe et la fin du VIIe siècle, les divers éléments de la relation entre les francs et la papauté ne vont pas du même pied. La fascination pour Rome, son passé chrétien, ses apôtres, ses martyrs et leur charisme va de pair avec la reconnaissance naturelle du primat de Rome, du primat du pape sur l'Église d'Occident et celle de l'autorité institutionnelle et intellectuelle d'une papauté fournisseuse de livres. Cette relation n'a pas toujours été en sens unique, même si les apports en direction de Rome relèvent à cette époque de l'anecdote. Dès qu'entre en jeu le dogme, et avec lui le débat avec l'Empire, prévaut au contraire la prudence quand il ne s'agit pas de méfiance et de contestation. Mal préparés aux subtilités des débats christologiques, les évêques et les rois francs en tiennent pour des avis tranchés, parfois forgés sur la base des rumeurs, tout en mettant en balance ce qu'il pourrait coûter de se mettre mal avec Byzance, avec qui il n'y a pas encore de rivalité idéologique, ou avec d'autres. Ce n'est pas à Rome, mais à Berceto, en terre lombarde, qu'ont voulu s'arrêter les reliques de Saint Remi, l'évêque baptiseur de Clovis, au temps de l'amitié entre Charles Martel et Liutprande, chef d'une autre gens catholica. Mais ces deux niveaux, en réalité, n'interfèrent pas. On peut critiquer le pape pour ses choix doctrinaux, mais en même temps lui demander des privilèges, l'assurer de son soutien sincère tout en cultivant des bonnes relations avec les Ostrogoths ou les Lombards, ou encore taxer l'empereur d'hérésie tout en recevant ses ambassades et ses tribus. À l'aube du 8e siècle, la papauté, elle, a du mal à considérer les francs comme interlocuteurs à part entière sur le plan doctrinal et ne les associe encore qu'au bout des lèvres. On mesure le chemin parcouru quand, en 769, le pape Étienne III sollicita de la part des rois francs des évêques érudits et des plus experts dans toutes les écritures divines et dans les institutions des cinq canons pour le concile romain qui condamna l'antipape Constantin II. À la fin des années 780, la violence de la réaction franque après la non-invitation d'une représentation au concile de Nicée II est à l'aune de cette évolution. Je vous remercie. Merci beaucoup, François, pour cette présentation aussi détaillée et nuancée d'une relation historique et très complexe. Ora abbiamo la pausa per 14 minuti. Prego, ritornate prontamente alle 11:15, so 11:15, 11:15 e 11:15. You're both very naughty for going over time. You need to... I should have told her. I told you. But it was a super thing. Thank you. Okay. Comme tous les étudiants. Mais on part pas encore. On va rester jusqu'à l'heure du déjeuner. Je crois qu'Alessia vous fait déjeuner avec...
Toi, tu pars après déjeuner. Non, je préside l'après-midi. Ah, tu préside l'après-midi. Ah, on se salue. Ah, materiale. Very interesting paper. Thank you very much. I liked it very much indeed. I'm sorry that you...
I leave out some pages. Good. Try there. Unfortunately, Marta Cristiani's put herself down first. And she'll know she was first, so. Unless I give start at the bottom. I actually have to say to her, I'm going to do that. To give the boy advice. Good, that's fixed. Good. It's strange for us to do it by sitting because we're in. Up troops. I think we'll just start. I'll ring the bell again. So, what's my specs? So, la terza lezione della questa mattina è da professor Stefan Patzold del Eberhard Karls Universität Tübingen e parla inglese. So, on the theme, bishops, local churches, and Christian correctio in the Frankish countryside. Many thanks, Stephens. I give the floor to you. Thank you, Rosamund. And first of all, I'd like to thank the organizers for their kind invitation to this conference. And it's an honor and a pleasure to be here. In my talk, I'm concerned with a rather simple problem. If I'm correct, historians have assessed the relationship of the bishop to the local churches and the clergy quite differently, depending on whether they have looked at the 9th century or at the 10th century. For the 9th century, medievalists have observed that the bishop lost a good part of his influence over churches and clergy in his diocese. For the period from the middle of the 10th century onwards, however, they have seen a tremendous expansion of episcopal power based mainly on the bishop's control over churches and clergy. And I think behind these
opposing assessments lie two great time-honored models, both originally dating from the late 19th century. One model is associated with the German keyword of Eigenkirche, proprietary church, which has been discussed especially for the 8th and 9th century. And the other model has been debated under the nice long German word Reichskirchensystem, imperial church system, which concerns, of course, the empire in the 10th and 11th century. As is well known, the imperial church system is no more. Today, this whole model can be considered obsolete. The Eigenkirchen model, however, is still being used in encyclopedias and handbooks, but also in more specialized historiography and research. In the first step, I'd like to summarize the two models and their respective explanatory claims. And then in the second step, I want to convince you that the model of the Eigenkirche is no less problematic than the outdated model of the Reichskirchensystem. And in the third step, I'll finally try to draw the consequences for our picture of the relationship between the bishop, the local churches, the clergy, and the efforts for the Christian correction of each individual in the Frankish world. I don't know if students of medieval history still learn what this Ottonisch-Saalische Reichskirchensystem is all about. If they learn it, however, that's probably only to understand why the model goes astray. So I may be brief here. As you all know, according to this model, the bishops in the empire and the kings became close partners. The king granted not only fiscal goods, but also far-reaching rights to bishops, including namely minting, markets, tolls. In return, the king expected support from the bishops when it came to accommodating the royal court on its many journeys through the empire. And above all, he demanded support for his army. The bishops provided a significant share of the armies that the Ottonians and Salians led into war. Given the high importance of the bishops for royal rule, the king himself wanted to determine who became bishop. And an important instrument for the selection of bishops was the king's chapel. As in a kind of assessment center, the king could get to know clerics here, whom he then promoted to a bishop's sedes. In older literature, Otto I was said to have invented this whole system together with his younger brother Brune, the Archbishop of Cologne, at some point in the mid-950s. In 1982, Timothy Reuter published his famous article casting doubt on this model. According to him, the Reichskirchensystem was not a system at all, and more importantly, Ottonian bishops were no Prussian civil servants. They came from influential aristocratic families. They brought their own legitimacy, their own economic resources and power to their office. We should therefore see the election and appointment of a bishop more as a negotiation between the king and the aristocratic families of the region, a process by which the ruler could manipulate the local power network and balance it in his favor. Even more important for my talk is a second, no less famous essay by Tim Reuter dating from the year 2000. In this article, he developed his view further. In the years around 1000, not kingdoms but bishoprics had formed a basic structure which, despite all regional differences in detail, had been recognizable and roughly the same everywhere in Europe. And in this context, Reuter argued against the older idea of a German Sonderweg, and that meant against the idea of a German Reichskirche. Historians, he argued, had been far too fascinated by royal service and the relationship of the bishop to the ruler. According to Reuter, bishops around 1000 were primarily occupied with the administration of their diocese, that is, with control over local churches and local clergy. Service to king and empire, on the other hand, probably accounted for no more than 5% of their activities, 5% der gesamten Arbeitszeit, he wrote. That's the number he gives, and wherever he got this number from, he pointed in a wonderfully pragmatic way to something important. Even in the Ottonian and Salian Empire, bishops were by no means only active for the king. They were first and foremost shepherds of their dioceses. So today, next to nothing is left of the old model of the imperial church system. Bishops are still considered powerful men, perhaps even more so than ever. Their power, however, is no longer considered to be legitimized primarily by the king,
no longer considered to flow from a bishop's position as the king's official. Today, we rather assume that episcopal power was based on the bishop's social origins and on their function as shepherds of all churches, clergy, and laity of the diocese. 3 years ago, Andreas Bierer has summed up this change in perspective in a wonderfully short formula, which is German, vom Reichsbischof zum Diözesanbischof. This view is attractive, not least with regard to numbers. Given our patchy documentation, we do not know the exact numbers of local churches that existed in the Frankish world, but at least for some dioceses, there is some information. For the Diocese of Salzburg, for example, 67 ecclesiae parochiales are attested at the end of the 8th century. We don't know how many other minor local churches existed in addition to these parochiae. For the Diocese of Chur, around 800, a total number of 230 local churches is documented. For Freising in Bavaria, around the mid-820s, we know of more than 200 local churches. For the quite large Diocese of Constance, where I come from, more than 100 churches of the early Middle Ages are archaeologically documented today. There must have been a lot more. And a 9th century list from the Diocese of Clermont enumerates 54 churches. We don't know exactly which these churches were and how they were chosen. Here, the cathedral and several monasteries are included. The dioceses varied considerably in size, so the number of local churches will have been different from diocese to diocese, but given the numbers for some dioceses, we may expect a total of around 200 local churches, including several dozen baptismal churches in an average diocese. In view of well over 100 episcopal sees in the area north of the Alps alone, there must have been tens of thousands of local churches, even outside Italy, which with its unusually dense ecclesiastical landscape. Bishops indeed must have been powerful magnates if they were able to control these churches and their clergy. And the if is important here, because the other model, the Eigenkirchen model, does draw exactly this episcopal control over local churches and clergy into doubt. As far as I can see, the Eigenkirche has been much less discussed in recent years. The model also dates back to the 19th century. It was developed by the Swiss Protestant and jurist Ulrich Stutz. He established his Eigenkirchen idea in his Berlin habilitation thesis of 1894 and made it prominent in numerous publications. His central argument is this: in the early Middle Ages, lay people, but also the king, individual clerics, ecclesiastical institutions, built churches on their own land. It is true that they had to have the building consecrated by a bishop, because otherwise it could not be operated as a church. But apart from that, Stutz thought that the bishop's influence over these churches was pretty much restricted. The proprietors claimed full power over their church, nicht bloß die Verfügung in vermögensrechtlicher Beziehung, sondern die volle geistliche Leitungsgewalt, as Stutz put it. That is, the owner of a church could claim the right to choose the priest who served in this church. He could claim the right to install this priest in his office and to remove him if need be. And the proprietor considered the church itself, but also all its accessories, as his property. This included any income that a church generated. According to Stutz, this meant first of all the tithes, which every Christian had to give, but it meant also all kinds of further donations and oblations to the church. So Stutz saw an Eigenkirche basically as an economic enterprise. In his publications, he actually loved to compare such a church to a mill. And just as in a mill, so also in many of the Eigenkirchen, he maintained usually some unfree person would serve. It's true, normally this person was freed because ecclesiastical law demanded that as a precondition for ordination. But Stutz saw those local priests nevertheless as highly dependent on their former lord. In one of his publications, he even said that the Eigenkirchenherr would let his Eigenpriester feel the whip if need be. Like the imperial church system, also this model of Eigenkirche has a far-reaching claim.
It wants to explain how the countryside in Western Europe had been Christianized and had been covered with churches since the early Middle Ages. This development, so the model claims, was not primarily due to episcopal initiative. The consolidation of the ecclesiastical structure in the countryside was rather the result of many individual initiatives by laymen, local clergy, but also by monasteries and collegial churches. And these local initiatives were economically motivated, at least primarily. Stutz aristocrats built churches as promising capital investments. It was not cheap to have a church built and equipped, but once it was up and running, it generated regular income for its owner through tithes, oblations, and all kinds of fees from the faithful. Moreover, if the owner wished, he could sell his entire church to others, he could loan it, he could give it away as a beneficium, and so on, as long as the church and its accessories were sold together or given together and thus remained functional. So, if we want to explain the Christianization and the ecclesiastical structuration of Europe's countryside, the Eigenkirchen model makes an attractive offer indeed. And I quote from a 2018 German textbook for students, and it's a good textbook, I want to underline that. Historically, the Eigenkirchenwesen played a not inconsiderable part in the spread of Christianity. For a large number of churches, especially parish churches, were not built by the official church, the Amtskirche, but by a lay proprietor. The proprietor who had the church built on his land continued to claim his power over the church, which he considered to be his own. Therefore, the owner of the church, who was usually a layman, not only determined whether goods from the church he had built were transferred to another, he also chose the cleric who was active in this church. With regard to chronology, the model describes the decades around 800 as the decisive phase in the history of the Eigenkirche. Until then, Stutz assumed, the establishment and operation of proprietary churches simply was an illegal but widely spread practice of aristocrats. It was only under Charlemagne and Louis the Pious that this practice was incorporated into law. During this process, certain limits were set for the proprietors, at least at first, but then, Stutz argued, given the weakness of the Carolingian kings since Louis the Pious, the aristocratic proprietors were able to maintain their control over their Eigenkirchen almost completely, and this up to the 11th century. Things only changed in the course of the Gregorian Reform. According to Stutz, the reformers fundamentally rejected lay ownership of churches. The institution of the proprietary church was therefore now replaced by other forms, namely the patronate and incorporation. For the earlier period, that is for the 9th and 10th centuries, the Eigenkirchen model implies that bishops had only very limited control over local churches and the local clergy. You could say the Eigenkirche tore holes in the diocesan power of the bishop, for in most churches of his diocese, including churches entitled to tithes and enjoying baptismal rites, the Eigenkirchenrecht set narrow limits to episcopal control. The bishop no longer had full power over these churches. At each Eigenkirche, it was not the bishop, but the proprietor who appointed or removed the priest. And at each such church, the proprietor also controlled the land and the income. Things were only different in the very few churches that bishops now held themselves as their Eigenkirchen. And this is remarkable. To put it bluntly, the criticism of the old imperial church system has led historians today to no longer think of the power of a bishop as strongly dependent on the king. Episcopal power is rather seen as based on the bishop's control over churches and clergy. The model of the proprietary church, however, claims just the opposite. The bishop's control over churches and clergy was only very limited before the Gregorian Reform, for by far the majority of local churches had been under the control of an Eigenkirchenherr, and thus were withdrawn from episcopal power more or less completely. So, how can we deal with this? The answer that I'd like to propose is this: we have to review the old but still pretty much accepted Eigenkirchen model. As I said, Ulrich Stutz published his fundamental study in the 1890s, and although his model has been criticized in some aspects, it is
overall accepted, even in recent literature, at least in Germany. And this, I find, is close to a scientific miracle. At least I know of no other model of such scope that has endured in historical research for more than 125 years. In fact, one could criticize many aspects of Stutt's model. Today, however, I'll concentrate on the subject of my talk, that is, on the relationship of the bishop to the churches in his diocese and to the priests and clerics who served at these churches. And I'd like to begin with a short sentence, which is chapter 4 of the decree that Charlemagne had issued in Herstal in 779. That the bishops have power, potestas, over the priests and clergy within their diocese according to the canons. I think the sentence is sufficiently clearly formulated, and it is also clearly opposed to the model of the proprietary church. There is no mention of Eigenkirchenherren at all. Instead, the power over the priests and clergy is attributed to the bishop, and explicitly so with reference to the canones, the rules of the great ancient councils. Ulrich Stutz interpreted this sentence as a trace of the old legal status, the status before the Eigenkirche was finally legally accepted under Charlemagne and Louis the Pious. And here's the first problem. Our ideas of legal history and the relationship between legal norms and practices in the early Middle Ages have changed significantly since the end of the 19th century. Yes, it is true, Charles did indeed issue his edict of Herstal in 779, that is quite early in his long reign, but the text did not simply become obsolete in the course of the 9th and 10th centuries. We can see this from the manuscripts. The text was copied into ever new law books in many places during the Carolingian period. For example, someone wrote this sentence that all priests were subject to the potestas of their bishop in the later years of Charlemagne's reign in southwest Germany in this small book here, which is today Codex 733 in the Stiftsbibliothek of St. Gall. Rosamond McKittrick showed the Codex 4.1 of St. Paul im Lavantal. You'll find the sentence there too, which is the first quarter of the 9th century, if I remember correctly. Sometime in the third quarter of the 9th century, in another place in northern Italy, probably Pavia, the sentence was written into an impressive legal collection, which is now kept as Codex Blankenburgensis 130 in Wolfenbüttel. In the late 870s or early 880s, a scribe in Reims found it interesting for the Manuscrit Latin 758 in the Bibliothèque Nationale in Paris, another huge compendium created during the last years of Archbishop Hincmar. And I could continue like this for quite a while. We find our sentence in the following decades in books from southern Bavaria, from the Paris area, and in many other places. I hope it's clear why Stutz's interpretation is so problematic. The Herstal Capitulum is by no means only a source for the legal ideas at Charlemagne's court in the late 770s, as Stutz meant. Rather, it reflects an idea which we find in many different places in the Frankish world throughout the whole Carolingian period, including the 10th century. In the Frankish world, it was quite obviously assumed that a bishop, entirely in accordance with the old canons, should have the potestas over all priests and clergy of his diocese, and not only over clergy in a few very specific churches that belonged as Eigenkirchen to himself. And I could cite other legal texts expressing the very same idea, that bishops should have power over churches. This idea was cherished by those bishops who had gathered at the Council of Valence in 855. We find it in the treatise De Ecclesiis et Capellis, written by Archbishop Hincmar of Reims for Charles the Bald in the second half of the 850s. The ideas attested again at the Synod of Trollhättan in 909. And it is also included almost at the same time in the so-called Zentanbuch, which Regino of Prüm created, and which in turn was to be further spread during the 10th century. And please note, all this is contrary to the model of the Eigenkirche and its central idea that the episcopal power was virtually perforated by an Eigenkirchenrecht. Actually, during the rest of my talk, I'd like to convince you that the bishop's grip on the clergy became stronger rather than weaker during the 9th century. And to convince you of this, I'll concentrate on 5 points. So first, I'd simply like to remind you of the bishops' capitularies or diocesan statutes.
With these texts, bishops in the 9th and early 10th centuries addressed the local priests of their diocese. They prescribed that priests should know what priests should know, but also how they were to behave in their parishes and what tasks and duties they had to fulfill in daily life. To put it somewhat bluntly, one could say that with these texts, the bishops created a kind of parallel to what monks had in the Regula Benedicti and canons and canonesses had in the respective texts produced at the Aachen Synods of 816 and 17. Ulrich Stutz only knew individual examples of these episcopal normative texts for priests. I don't want to blame him for this. These texts were systematically edited between 1984 and 2005. The first systematic evaluation of the entire material was then presented by Karin van Rijn in 2007. But today, we simply know more than Stutz could know. We know that in the years around 800, a whole new genre of normative texts emerged, which bishops created to control the local priests of their diocese. I can't help to see these new texts as an expression of a higher claim of control by the bishops over their dioceses and a stronger and at the same time more detailed episcopal supervision of the diocesan clergy. You might be inclined to contradict. Those episcopal capitularies are merely normative texts. They don't really tell us much about the practice on the ground. However, parallel to the emergence of the episcopal capitularies, we see new institutions of episcopal control emerging. Within the diocese, new intermediate instances between the bishop on the one hand and the diocesan clergy on the other were established in the 9th century in many regions, namely archipresbytery of a new kind and decani. These intermediate officials allowed for a closer control of the diocesan clergy. At least I'd argue that it contributes to a closer supervision if a single episcopal official is not responsible for the entire diocese, but only for a part of it. And in addition, there was another institution of supervision and control. This is the practice of visitation. Each bishop was to travel around the diocese, visiting and inspecting the priests and their churches. During the 9th century, at least in some regions of the Frankish world, this practice merged with aspects of the legal procedure of Inquisitio, and the result was a new kind of episcopal court, which we call a Zend in German. Once a year, the bishop was supposed to hold a Zend. For this purpose, local witnesses had to swear an oath that they would testify about their priest and actually also testify about all their neighbors. In the early 10th century, Reginor of Prüm created his manual for holding such a local court. His book was intended to bring together in a handy way, in a single codex, all the norms that a bishop had to have at hand for this institution of control of local clergy and churches. A third phenomenon I'd like to mention is the practice of literae formatae. These letters were a mixture of passports and letters of recommendation for clergy. Every cleric who wanted to travel was supposed to carry such a document. I know of around 50 such literae formatae from the Carolingian world of the 9th century. I've given you a list of that on the handout, and I'm sure that there are more out there. To my knowledge, a systematic study of this material is lacking so far. At least one such letter from the 9th century has survived as an original. It comes from northern Italy from the 820s. As a rule, however, only copies of literary formata have survived, and often enough, we only have formulas, that is, anonymized models for the issuing of further literary. Such formulas are often found in canonical collections. Of course, I can't say exactly how many of the clerics who traveled in the 9th and 10th century actually carried such an episcopal document with them, but Bishop Franco of Tongan alone received no less than 5 such literae formatae from 3 other bishops in the short period between September 857 and 860. There must have been quite a few such documents. Walter Berschin thought that the literae formatae were something like school exercises for young clerics, a kind of intellectual game, but nothing that was used in practice anymore. I don't think that this is true, at least not as a general statement.
Already, the high number of formulae indicates that there was a need for such documents in practice. Regino of Prüm demanded in his Sendhandbuch that every bishop should check during his annual visitation whether the priests he had not personally ordained had, and I quote, a letter of recommendation called a formata. When in the second half of the 9th century a cleric from Paris appeared in Reims who did not have an epistola formata, Archbishop Hincmar immediately wrote to his colleague Aeneas of Paris and urged him to send the missing formata for this cleric. From late antiquity onwards, these episcopal passports used a kind of secret code to prevent a priest from simply issuing his own travel document. To this end, an epistola formata had to contain certain Greek letters representing the Trinity, the Apostle Peter, which is missing in this exemplar, and the word Amen. And in addition, such a document had to list a number of other letters which counted as numbers, as do Greek letters, namely the first letter of the name of the bishop who had issued the document, the second letter of the bishop, name of the bishop to whom the document was addressed, the third letter of the name of the cleric who was traveling, and the fourth letter of the episcopal sedes at which the letter had been issued. All these letters, represented as Greek letters, represented numbers, and they all had to be added up. And in a last step, the current year of indication had to be added to the sum. The total sum was then to be noted at the end of the letter, this time in Latin numbers. And I admit it was certainly not too complicated to decipher this code, all the more so as the instruction manual for all this was diligently and widely copied and distributed in the Carolingian world. The so-called Regula Attici, named after the patriarch Atticus of Constantinople. And you find that in many canonical collections of the 9th century. However, the bishops reacted to this challenge. They introduced a new form of authentication. They began to seal the travel documents, and I have to apologize for the really bad quality of the reproduction, but I hope you can guess the traces of the seal, which is lost, but which one can still guess. And moreover, in many literary formata, the seal is expressly mentioned as a means of authentication. These letters are remarkable testimonies to the mobility of clerics in the early Middle Ages, and at the same time, they are also a clear evidence that bishops sought to control and contain this mobility. The letters also show why the bishops were so concerned with control. The formatae normally document that priests were sufficiently trained for their office, and that it was actually a priest, that is not an escaped slave or some evildoer who only pretended to be a priest in order to have a better life. In 862, Bishop Adventius of Metz wrote this to his colleague Arnulf of Toul. Because there are some who say they are harmless, why they are full of devilish deceitfulness, and they go about from place to place for the work of piety, while yet they are escaping due to their villainy, it has been decided that no one may receive a foreign and unknown clergyman from another bishop and enthrone him in his church unless he has from his own bishop the letter which in the canons is called a formata. Incidentally, the very same formata was used later in 906 by Dardo of Verdun in a letter on behalf of the priest Adruinus, a letter which Dardo sent to his metropolitan Ratbod of Trier. Regino of Prüm, then being at Trier, included Dardo's letter of recommendation a little later as a model in his Sendhandbuch and thus ensured this text a quite broad reception. As quite a few clerics, or men who pretended to be clerics, were on the move in search of a church, it seemed necessary to the bishops to monitor the travels of the clergy with the help of such documents. Thus, the epistolae formatae are traces of episcopal control in the 9th and 10th century. Poorly trained priests should not be able to get a church by traveling and directly negotiating with church owners. And this leads me to a fourth area I'd like to mention. This is what historians have called priest exams. Before a bishop ordained a cleric, he had to check whether the candidate was suitable.
To do this, the bishop had to ensure, for example, that the candidate was a free man, or at least a freed man, and that his origin was known. And if the candidate did not come from the same diocese, he had to present an epistola formata before his consecration. In addition, however, the bishop was also to examine whether the candidate had the necessary knowledge before ordaining him a priest. In the Manuscrit Latin 8508, there is an interesting little text on this. It states that the bishop should examine each of the clerics individually who come to him for priestly ordination. Among other things, he was to examine each candidate to see whether he was naturally prudent, if he was literatus, if he was well taught, bene doctus. And then in the presence of the bishop, the clergy, and the laity, the prospective priests had to promise that they understood and fully knew the Lord's Prayer and the two creeds, that they daily meditated on the sacred scriptures and communicated them to the people, and that they persevered in their readings. And finally, each candidate had to promise, and I quote, that he fully knows and understands the canons. And I'd really like to know what that means in practice. Interestingly, not only norms prescribing such priestly examinations have survived, we also have, and in astonishingly large numbers, small texts that were suitable to help a candidate prepare for his examination or to help the bishop conduct the exam. Some of these texts may also have been used later during the regular examination of priests at diocesan synods, visitations, or the Zend. An example of a widely used text of this kind is found, for example, in the third and last codicological unit of the Sangalensis 40. The first question here reads, "Tell me, for what purpose were you ordained a priest?" And the correct answer is, "To preach the word of God and to administer baptism or the bath of penance," and so on. And the further questions of the short text then aim at why and how the priest sang the Mass, how he offered the Eucharist, what it meant, why and how he baptized, and so on. Another example of such teaching material can be found in a small booklet from northern Italy dating from the first half of the 9th century, the Munich Codex Latinus 6246, which first contains a small collection of excerpts from the Dionysio Hadriana, which were useful for a priest, and that might be what is meant if they say priests are meant to know and understand the canons. And then follows the small texts, which you find on your handout, a didactic dialogue on the different grados of ordination and the different ordines of bishops. As you can see, this is all essentially compiled from two works of Isidore of Seville, his Etymologies, and his Liber de Ecclesiasticis Officiis. The compiler, however, has structured this material very clearly and systematically by short questions, and he has omitted stuff from the model which seemed superfluous, such as the explanation of what vates were, or Isidore's fine distinction between cantor, precentor, succentor, and concentor. In any case, as you can see, this text was helpful to get and remember some basic information about the ecclesiastical hierarchy, and it fits very well questions in these priest exams we have transmitted. As Susan Keefe, Karine van Rijn, and others have shown, similar texts have survived in remarkably high numbers in manuscripts since the 9th century. Taken together, this material too, I believe, speaks to a new, stronger control of bishops over the clergy of their diocese. I don't claim that all these texts have been produced by bishops or on behalf of bishops, but I believe that this material is a reaction to the new episcopal emphasis on priestly knowledge and the practice of examinations. All these little texts simply don't fit to the Eigenkirchen model, which presupposes only formally freed priests who were very badly educated, if at all. And finally, episcopal control over the diocesan clergy was also perceptible in various fees that priests had to pay to their bishop. This practice emerges very clearly from the provisions of the Synod of Toulouse in 844. At that time, priests in Septimania had complained to King Charles the Bald that their bishops were exploiting them.
The second canon issued at Toulouse dealt with dues that the priest had to pay to their bishop once a year. The priests owed grain, wine, a young pig, but the bishop could also demand cash instead of kind, that is, denarii, to the value of 2 solidi from each priest. Those priests who lived close to the bishop's sedes were to deliver this dispensa, how it is called, to the bishop themselves. Those who lived further away were to give it instead to the archpriest or to another official of the bishop at certain nearer places. And please note that this levy was not the one which was due for the maintenance of the bishop during the visitation. At the Synod of Toulouse, those services were explicitly regulated in detail in another canon. Actually, 2 solidi per priest may not sound like much. The sum corresponded to 24 denarii. The numbers I give now is only to show that I've read Rosamond McKittrick's book on the Carolingians and the written word carefully. In 794, in the face of a famine, the Synod of Frankfurt had determined that there should be a maximum price for bread. Accordingly, 1 denarius should be enough to buy 12 loaves of wheat bread, each weighing 2 pounds. In good times, the price of bread was probably lower. That means, according to our canon of 844, each priest owed the bishop the equivalent to round about 300 loaves of wheat bread per year. Or to play this price game a little bit longer, and to cite Rosamond McKittrick a little bit longer, Reginbert, the librarian of the monastery of the Reichenau, acquired a book of probably rather simple design with the Lombard leges for the price of 8 denarii. And this is a few years only before the Synod of Toulouse. If we calculate this, the levy for the bishop was equivalent to the price of 3 small manuscripts. And given the numbers of churches in a diocese, the dispensa must have been at least an interesting source of income for the bishops. Moreover, the Synod of Toulouse also criticized 2 other practices of bishops, which were also likely to increase the income from priestly levies. It forbade that bishops, while not doing the visitation, would nevertheless collect those dispensa which the priests were required to provide for the bishop's journey. And it opposed the practice of bishops dividing up existing churches for gain and greed. If a parish was to be divided, the bishop had to deduct from the levy of the old priest as much as he received in levy from the new priest. In other words, the division of parishes was not to become an instrument for bishops to keep increasing their income from the levies owed to them by the priest, while at the same time, the economic base for the individual priest was getting smaller and smaller. I think it is time to stop and to draw some conclusions. Research has said farewell to the imperial church system from the 1980s onwards. I think it is time to also assign the Eigenkirche its well-deserved place in the history of historical research. The model asserts that bishops in the Frankish world lost a huge part of their influence over churches and clergy within their dioceses. But this assumption is all too clearly at odds with what emerges from our sources of the 9th and 10th centuries. In view of the 5 points I presented here, the model of the Eigenkirche could only be rescued if you'd put forward the following hypothesis. The bishop's capitularies, Reginus Sentanbuch, the more than 50 surviving epistolae formatae, the priestly examinations, and the dozens and hundreds of small texts for preparing them, the levies and the many other instruments of control like diocesan synods and episcopal visitations, would simply not have applied to the many, many priests who served at Eigenkirchen. All this material, all those practices which are well documented, were only addressed to those few clerics who served in churches owned by the bishops themselves. I must admit that I find that very hard to believe, mainly because, as far as I can see, not a single source explicitly says so. If we dispense with the whole Eigenkirchen system, a different story of bishops and their dioceses in the 9th and 10th centuries emerges. Their most important stages could look something like this. In the years around 800, Carolingian elites redefine the office of the local priest.
They make these clergy who live and work close to the people essential actors in the huge project of a moral betterment of all Christians. In the course of this, however, episcopal control over local priests and churches is tightened. New small-scale normative texts for priests, those episcopal capitula, emerge, as do new institutions of control, archpresbyterates, new deaneries, visitations, the Zend. Priests and other clergy were more diligently controlled in their mobility by litterae formate. Priestly examinations were introduced to ensure the quality of knowledge and training. Bishops demanded levies from the clergy in their diocese. These new forms of control fit into political ideas according to which bishops and the king are collectively accountable before God for leading the Christian people to eternal salvation. So, in the end, I believe that we need to abandon the Eigenkirchen model and its core assertion that proprietary churches were essentially removed from bishops' control, because only then we will be able to fully understand how episcopal power worked in the Frankish world from the 8th century onwards. Thank you. Thank you very much, Stefan, for a characteristically interesting and fresh perspective on the practicalities of episcopal organization in relation to the priests in the Carolingian period. And I certainly found it very convincing. Thank you very much. We now have our time for discussion. And in order to facilitate discussion, I should like to make the request that all the questions asked should be brief and precise without long introductions or justifications, please, because then we will have time to hear. Those of you who wish to do so may sign your names for Stefan Petzold's presentation, and we already have signatories for our first two speakers this morning. So if François and Bruno would like to come and join us. So first of all, for Bruno de Mézil, the first question I'd like to, that has been signaled is by Samuel Rowe. Samuel. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présentation très convaincante. Et je vais aller droit au but, du coup. Vous avez mentionné que Grégoire mentionne assez peu Childebert, contrairement à Clovis, pour les raisons que vous avez développées. Mais je me demandais pourquoi Grégoire mentionnait aussi peu Childebert, quand dans les autres sources, c'est un personnage si important. Merci beaucoup. Il mentionne peu Childebert, il mentionne beaucoup plus Childebert qu'il ne mentionne Clovis, hein, en taille simplement de texte et de paragraphe. Simplement, ce n'est pas le roi qui va l'intéresser le plus dans une perspective austrasienne. Il est le roi de Paris à un moment où les Austrasiens ont perdu le contrôle direct de Paris. Et donc, il n'y a pas une volonté, semble-t-il, de mettre en avant ce règne comme étant celui qui peut s'inscrire le plus dans la continuité pour Childebert ou les enfants de Childebert, si on considère, et ce qui est l'hypothèse actuelle, qu'au moins une partie du projet de rédaction des histoires soit de faire un miroir des princes pour ces Austrasiens qui sont en train de venir à l'âge de maturité. Donc, Childebert est un bon roi, il en dit beaucoup de bien hein, par certains moments, mais ce n'est pas le roi principal, alors qu'il aura beaucoup plus de tendance à évoquer les rois de l'Est, et notamment Sigebert Ier, ou même des personnages comme Thierry. Merci beaucoup. So, Stefan Giovanni. Merci beaucoup, et merci beaucoup Bruno pour ta magnifique conférence. J'aurais deux remarques et une question. Ma première remarque, c'est vraiment un détail, porte sur le Clovis de la Troisième République par lequel tu as commencé. Alors c'est vrai qu'il est dit par la vice en 1913 que Clovis a donné son nom, que les Francs ont donné leur nom à la France. Mais dans les manuels de la Troisième République, le fondateur, on est bien d'accord, c'est pas Clovis, c'est Vercingétorix.
Parce que Clovis, un Germain qui a fondé la monarchie chrétienne, pour un instituteur de la Troisième République, c'est un peu ennuyeux quand même. Enfin, on pourra en reparler. Deuxième remarque sur la question de la datation. Je continue à croire, même si ça peut paraître un détail, que l'excursus des nodes en 508 sur les Francs, hein, cruel païen qui continue et qui cherche à sacrifier à leur dieu, je pense que ça peut être vraiment un élément à prendre en compte dans les discussions sur la datation du baptême. C'est jamais le cas et c'est peut-être dommage parce que je trouve vraiment très étonnant que le point de vue des nodes, diplomate, porte-parole du pape Symmac, soit si différent de celui d'Avit, son ami, son correspondant, etc. Bon. J'en viens à ma question. À propos du silence, des réserves, ou du moins la prudence sur le baptême de Clovis, alors tu as évoqué très bien le point de vue épiscopal de chaque côté des Alpes, mais est-il totalement exclu que ce baptême, qui est quand même pas très enthousiaste de la part de Clovis, de la part même de Grégoire de Tours, qui nous dit que Clovis se demandait ce qu'allait en penser son peuple, d'abandonner comme ça ses dieux, etc. Est-il vraiment exclu que ce baptême soit apparu, finalement, durablement, comme une difficulté du côté des Francs, qui aurait pu, pour beaucoup d'entre eux, le refuser assez durablement, un peu comme le soldat récalcitrant du vase de Soissons. Ce qui expliquerait peut-être qu'Hénode et d'autres puissent continuer à parler de barbares païens, et que, ce qui pourrait expliquer aussi que le fait même d'en parler reste un problème, du moins un certain temps. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Juste sur ta remarque sur Vercingétorix, c'est le grand ancêtre, mais ce n'est pas le fondateur. C'est justement ça qui est intéressant. Il n'est pas présenté dans le Petit Lavis comme étant un Français. Il est un Gaulois, et les Gaulois se comportent comme des petits barbares, je cite le Petit Lavis. Je pense que l'Emmanuel commence par Vercingétorix. Oui, oui, c'est très ambigu. C'est justement très ambigu, cette affaire-là. Oui, mais commencer par un vaincu, c'est toujours difficile, l'histoire. Oui, il est fier et courageux. Puis il est auvergnat. Alors, sur la réception du baptême en elle-même, c'est très difficile dans la mesure où faire parler une absence de texte et l'argument a silencio est toujours très difficile. Il y a quelque chose qui, semble-t-il, a gêné, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a gêné? Il y a autant d'historiens que d'hypothèses. Il n'est pas impossible qu'il se soit trompé de pape. Imaginons qu'il ait déclaré une fidélité un peu ouverte à Laurent. Ça devient très difficile dans les années 520 d'avoir été dans le parti laurentien. Est-ce qu'il aurait donné des gestes, des signes un peu trop forts d'adhésion à la vision d'Acas? Ce n'est pas totalement impossible non plus. Ou est-ce que tout simplement, Clovis, comme le dit la quasi-totalité de nos sources, était extrêmement violent, a eu des comportements qui étaient jugés inacceptables même en leur temps? Dès 512, on a des lettres critiques quand même, c'est assez étonnant. Hein. Donc il laisse un ensemble de mauvais souvenirs qui, un siècle plus tard, peuvent être facilement évacués par Grégoire de Tours. Mmh. Mais la première génération, les gens qui s'en souvenaient encore, et les gens qui, au moment du concile de Tours III, s'en souvenaient encore, c'est quand même très dur hein, de dire que tous les amis de Clovis sont morts à cause de miracles de châtiment. Ce n'est pas très fréquent, ça, quand même, pour un premier roi converti. Et donc, je pense qu'il y avait effectivement une difficulté. Alors ensuite, il y a peut-être le problème de savoir quand Thierry Ier se convertit, et ça, c'était peut-être un enjeu plus important. Parce que le fils aîné de Clovis, on n'a pas la date du baptême. S'il se baptise un peu plus tard, ça change un peu la donne, d'une certaine façon. Ça veut dire que Clovis n'a pas engagé toute sa dynastie. Mais la question de l'abandon des dieux francs, ça, tu penses que ce n'est vraiment pas un problème. Et le fait que Grégoire lui-même dise, un siècle après, vraiment, il a hésité. Hein. Il s'est dit, il dit à Rémi, d'ailleurs, oui. Qu'est-ce que mon peuple va en penser? C'est quand même pas très enthousiaste au moment du baptême. C'est ce que dit Avit de Vienne aussi en disant « Certains opposent la coutume de leur peuple. Difficile à dire, les traces de paganisme pour le VIe siècle sont quand même infimes. Hein. C'est difficile de savoir exactement s'il reste encore beaucoup de païens ou ça dépend de savoir ce qu'on met à l'intérieur d'une notion de paganisme. Merci. Signor Cristiani. Bon. J'ai beaucoup appris ce matin.
Ça fait du bien de se retrouver à l'école, finalement. Étant donné que mon expérience de recherche sur la civilisation mérovingienne est à un point de départ très particulier, c'est-à-dire la sainteté féminine. À l'occasion d'un grand colloque de l'École française de Rome sur la fonction des saints organisée par un grand directeur, c'est-à-dire Charles Pietri. Mais donc j'ai approché Clovis par la médiation de Clotilde. Et évidemment, dans les devis de Clotilde, ce n'est pas la gloire de Clovis, mais la gloire de Clotilde, à laquelle on attribue la conversion. Dans la plus ancienne devis, Clotilde utilise un argument très important, c'est-à-dire qu'elle promet à son mari la victoire en bataille, ce qui est évidemment un argument constantinien. Mais ici, il y a aussi l'hésitation de Clovis par rapport à son peuple. Si je me souviens bien, les textes utilisent le terme populus à ses propos, c'est-à-dire les problèmes des croyances de son peuple. Dans la vie plus tardive, il me semble, à l'époque carolingienne, il est dit que Clotilde essaye de convertir son mari la première nuit de noces, ce qui est dit non pas pour susciter des curiosités plus ou moins douteuses, mais pour faire de Clotilde une femme de l'Ancien Testament, c'est-à-dire une femme qui utilise son pouvoir féminin pour les biens de son mari, mais aussi de son peuple. Et donc, il n'est pas question vraiment du baptisme, mais l'accent est posé sur ce thème de la conversion. Enfin, je me permets une relève esthétique sur le texte de Grégoire du baptême, c'est-à-dire, il m'évoque beaucoup les thèmes du Parsifal wagnérien et du roi malade qui est guéri. Enfin, il me semble un grand thème littéraire. Merci. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces remarques. Alors, le personnage de Clotilde, le problème, c'est qu'il nous est inconnu totalement à l'époque du règne de Clovis. C'est assez incroyable. On a une lettre venant d'un évêque du royaume Burgonde, le peuple de Clotilde, qui écrit à Clovis et qui ne mentionne même pas l'existence de Clotilde. Donc, c'est très difficile à comprendre pourquoi Clotilde n'existe pas pendant le règne. La première mention de Clotilde, c'est la vie de Sainte-Geneviève du début des années 520. Alors, ce qui est très intéressant pour Clotilde, c'est que Clotilde va être mentionnée à chaque fois qu'il y a, en fait, une régence féminine dans le royaume. Donc, ça va être le cas dans les années 520. On va la revoir au moment où il y a des femmes de pouvoir en Austrasie, dans la deuxième moitié du VIe siècle. On la reverra au VIIe siècle. Clotilde, finalement, semble suivre la politique de son temps et elle deviendra sainte, mais la vie de Clotilde est très tardive, puisque c'est une vie difficile à dater, mais plutôt ottonienne du Xe siècle, sans doute. Et donc, au moment où il y a des femmes aussi puissantes au Saint-Empire, Clotilde sera à la manœuvre, mais rétrospectivement, d'une façon, à chaque fois. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Now we move to the questions for François Bugard and Stéphane again.
Merci et merci beaucoup, François, pour ta conférence. Je voulais revenir un instant, en fait, c'est une remarque, si tu me permets, revenir un instant sur ton hypothèse initiale et l'éclosion éventuelle de la question martinienne dans le schisme laurentien. Alors, c'est une hypothèse très intéressante, mais simplement, je voulais dire que l'intérêt pour Martin est, semble-t-il, très fort à Rome depuis un siècle à peu près, c'est-à-dire depuis le début du 5e siècle, et grâce à Paulin de Nole. Et ça est bien attesté dans la correspondance entre Sulpice Sévère, donc l'auteur de la vie de Martin, et Paulin de Nole, qui se trouvait, on le sait, au centre d'un très grand réseau entre l'Aquitaine et la Campanie, donc passant par Rome. Tout ça a très bien été montré par Sigrid Mrácek. Et on sait que Paulin a eu un rôle décisif dans les débuts de la diffusion de la vie et peut-être aussi du culte, à la fois en Italie et aussi dans l'Illyricum, qui m'intéresse. Alors, on a notamment ces éléments de diffusion. On sait que Paulin diffuse le texte même de la vie à des amis influents à Rome. Et dans ses dialogues, Sulpice fait dire à son ami Postumianus que c'est Paulin qui a diffusé en premier la vie de Martin à Rome. Et surtout, il y a ce passage assez incroyable où il nous dit que tout le monde s'arrache la vie de Martin, que les libraires n'en ont presque plus, que c'est vraiment le best-seller. Et donc, on est dans les années 410, 415, par là, quoi. Enfin, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait d'autres fondations, mais peut-être qu'il faut nuancer l'importance de l'éclosion de cette question martinienne. Voilà. Merci beaucoup. Alors, effectivement, le culte de Martin... On n'a pas attendu Symmaque pour qu'il y ait le culte de Martin à Rome et ailleurs en Italie. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est sous Symmaque, c'est-à-dire à l'époque du baptême de Clovis, que se fait cette double dédicace à Sylvestre et à Martin. Et il m'a paru assez difficile de ne pas essayer d'en tirer parti, en quelque sorte, entre cette double dédicace sous Symmaque et la mention de la couronne sous Hormisdas, il y aurait beaucoup plus d'échos contemporains de la conversion, sinon du baptême, à Rome qu'en Gaule même. André Verardi wishes to make a comment just on this. Sembrava non volesse. No? Signor Kremskoli. Sono io. Professore, sono stato colpito da una frase del Concilio Romano del 680, in cui i vescovi dicono: «Nos episcopi, vestri cristiani imperi famuli». Ora, se la frase va presa sul serio e non è una rituale formula, mi pare che dica una cosa molto importante che sottopongo al suo giudizio. Questa. Nelle epoche storiche in cui è in vigore il regime Christianitatis, sembrerebbe che il potere ecclesiastico ha vantaggio, prestigio, forse anche prepotenza. Sembrerebbe, ma qui siamo in epoche di regime Christianitatis, non come la nostra, che è post-cristiana, ahimè. Dunque, in queste epoche, invece, i vescovi debbono dichiararsi famuli del potere laico, se interpreto bene la frase. Comunque è l'eterno grande problema tra ecclesia e imperium, no? Dove qui però i vescovi non sembrano comandare, dicono di essere obbedienti, lo dicono loro. Tutto qui. Sono pienamente d'accordo. Nel 680-81 siamo in un regime di una chiesa imperiale e quindi
va da sé che i vescovi e in primo luogo il Papa siano famuli. Cioè il Papa e i vescovi sono confamuli e insieme sono famuli dell'impero. Questo per me non è un problema. Mm. Non sono quelli, come dire, che conferiscono con la loro autorità potere al laicato. Loro si debbono sottomettere. Sì, ammesso e non concesso che l'imperatore di Bisanzio sia un laico. Già, perché la laicità è una cosa molto complessa, molto difficile e non si sa mai che cos'è. Grazie mille. Andrea Ferrari. Anche io ringrazio il professor Bugher per la bella relazione. Volevo ricollegarmi all'appunto del professor Giovanni riguardo alla fondazione Silvestrino Martina all'epoca di Papa Simmaco. La più antica versione del Liber Pontificalis, il catalogo, il frammento veronese o laurenziano, che a nostra conoscenza è la più antica redazione perché il manoscritto è di VI secolo, riferisce dell'edificazione, ma solo della chiesa di San Martino, dicendo che viene costruita vicino alla chiesa di San Silvestro e l'attribuisce ai fondi di un vir illustris palatinus, inserendo la fondazione all'interno di un rapporto un po' più complesso di relazioni all'interno dell'elite di rango senatorio tra contesto italico e contesto gallo-franco. Quindi mi sembra che vada allargata leggermente la questione all'interno delle reti sociali, come dire, dell'elite romana, e quanto all'interno di quella rete sociale e anche di rete culturale e religiosa questa fondazione possa essere importante. E come piccolo altro appunto, all'interno di questa relazione, io rimango convinto, vada interpretata anche la circolazione del primo Liber Pontificalis. Io non riuscirei a spiegarmi nel contesto di Gregorio di Tours, anche alla luce della relazione del professor Dumézil, che sottolinea come Gregorio sia fondamentalmente il primo ad enfatizzare la comparazione tra Clodoveo e Costantino, il fatto che l'epitome feliciana dica semplicemente che la corona sia stata donata da un re dei Franchi, senza indicare né il nome né il fatto che sia cristiano, cosa che invece è comprensibile in una fase successiva alla luce della costruzione della costruzione gregoriana. E quindi anche in questo caso il fatto che Gregorio, che conosce, abbiamo visto, i sermoni di Cesario di Arles, possa aver utilizzato materiale che proviene dalla chiesa di Arles, comunque dalla Gallia Meridionale, quindi la collezione di San Mor che contiene l'epitome feliciana e che può essere, a mio avviso, compresa all'interno dei legami datati 529-530, c'è la lettera di Cesario di Arles a Roma riguardo la questione del libero arbitrio, che coincide con la cesura che noi abbiamo testuale all'epoca di Papa Felice IV. Quindi questo era anche riguardo alla possibile datazione più tarda e gallica dell'epitome feliciana. Ti ringrazio. Non so se c'è molto da aggiungere. In effetti c'è tutto non un dibattito, ma una perplessità su come è nata questa chiesa di San Martino e la sua relazione con il titolo di San Silvestro e tutta la storia del Titulus Equitia a Roma. Ma direi che è tanto più interessante se il frammento laurenziano se ti capisco bene, è un po' neutro nella faccenda, se c'è un investimento al tempo di Simmaco sulla doppia figura, sull'abbinamento Silvestro Martino. Questo mi va perfettamente. Poi per la datazione
catalogo Feliciana e viceversa non preferisco lasciare da parte al momento perché entreremo in dettagli secondo me molto noiosi per il pubblico, però ne possiamo riparlare dopo. Mille grazie. We move now to Stefan Patzold's paper. We have one question recorded by Florian Mazel. Merci. Je peux en français, Stéphane? Merci beaucoup. Ce sera plus simple pour moi. J'ai été vraiment tout à fait convaincu et impressionné donc, par le tableau que tu as dressé de l'ambition du programme épiscopal carolingien, ou plutôt même plus particulièrement du programme du 9e siècle, hein, puisque tu l'as enraciné au tout début du 9e. Après, je dois avouer, mais ça ne t'étonnera pas, que je suis plus réservé sur l'ampleur, l'efficacité, je dirais, de sa mise en œuvre. D'ailleurs, tu as plusieurs reprises, tu as bien pris soin de te placer aussi sur ce terrain, mais je dois avouer que à trois niveaux en particulier, je reste un petit peu sceptique. Mais après, il y a peut-être un arrière-plan historiographique, on va dire français, qui est aussi à l'origine de ma perception. Hein. Donc c'est à deux niveaux, disons. Déjà, premier niveau, il me semble qu'il y a trois dimensions de la mise en œuvre véritablement de ce programme où je suis plus réservé. La première, c'est sur l'étendue géographique de la diffusion des nouvelles institutions, notamment, que tu as évoquées. Parce qu'en fait, il me semble qu'on reste, si on se place à l'échelle du monde franc dans son ensemble, si on va vers l'ouest, ça ne dépasse pas la province ecclésiastique de Reims. C'est-à-dire, on n'a pas de traces documentaires au-delà, à vrai dire, des corpus rémois et dans une moindre mesure de la province de Sens. On a toute une série des institutions que tu évoques qui ne sont pas présentes. Voilà, les capitulats épiscopaux, les décanies ou archipresbytéries, plus encore les taxes épiscopales, taxes de visite ou taxes de synode. Et donc, et au sein même des diocèses, d'ailleurs, en fait, j'ai été frappé quand je me suis intéressé moi, à la question des décanies, que leur distribution n'est pas du tout homogène. Alors, bien sûr, à chaque fois, il y a des problèmes documentaires, bon, mais bon, si on les laisse un petit peu de côté pour l'instant, on a l'impression que lorsqu'il y a des décanies, ce n'est pas forcément une institution généralisée à l'ensemble de l'espace, de la paroquia, de l'évêque. Et pour les taxes épiscopales aussi, c'est-à-dire que quand on a des documents qui nous indiquent pour certaines églises le versement de ces taxes, on en a d'autres où elles n'existent pas. Sans que se pose la question de l'église privée, je laisse complètement ça de côté, mais je m'intéresse juste à l'emprise du pouvoir épiscopal. Et donc, on a l'impression qu'au sein même d'un diocèse, lorsqu'il y a des taxes épiscopales levées, ce n'est pas quelque chose de général et d'institutionnel, en fait. Il y a cette ambition de l'imposer sans doute à toutes les églises, mais il y a ensuite, on a l'impression qu'il y a véritablement une effectivité relative. Le deuxième niveau où cette efficacité me semble relative, c'est sur la profondeur sociale de l'emprise de ces mesures et de ces institutions sur le clergé. Parce que moi, ce qui m'a frappé en étudiant par exemple le cas des visites, c'est qu'en fait, au-delà de la prescription de la visite, lorsqu'on a des mentions de visites effectives, on l'a en fait très souvent dans de la documentation hagiographique. Et en fait, il me semble qu'il y a un discours sur la visite qui met l'accent non pas sur la visite systématique des églises locales, mais qui met l'accent plutôt sur la visite par l'évêque de certains lieux centraux dans le diocèse, à commencer par quelques monastères clés, soit par le prestige de leurs reliques, soit par le lien privilégié avec le siège, soit par une dédicace et un culte d'un saint particulier. Enfin, et on a l'impression que finalement la visite, elle est là aussi ponctuelle, qu'elle vise certains espaces, voire des espaces de confins aussi, dans le cadre de conflits avec des évêchés voisins, mais qu'elle ne renvoie pas, on va dire, à une administration du diocèse. Sur le plan territorial. Et pour les synodes, c'est encore plus vrai. De nouveau, alors moi, mes exemples sont plutôt occidentaux, hein, donc c'est pour ça que je te fais part surtout d'un terrain. Quand on a des listes de prêtres qui ont au bas d'actes synodaux, ce qui est extrêmement rare, on en a quand même, moi, j'en ai repéré que trois avant le milieu du XIe siècle pour l'Ouest, eh bien, on est, au regard, en revanche, du nombre d'églises qu'on connaît, on a les mêmes chiffres à peu près que les tiens, on est entre 200 et on a un tissu ecclésial qui est déjà très dense. Mais en revanche,
le nombre de prêtres qui sont présents dans les listes de témoins, on est à moins de 10%. Et en outre, quand on sait d'où ils viennent pour certains, ce qui est encore plus rare, mais enfin bon, on est dans du périurbain, enfin on est autour de la cité. Et donc ça pose la question de, oui, alors qui participait vraiment à ces synodes, enfin. Et puis le troisième niveau où cette efficacité me laisse parfois un peu sceptique, c'est que c'est sur la durée chronologique. Parce qu'alors là, il y a peut-être un contraste aussi très fort entre ouest et est de l'ancien empire unifié, mais à l'ouest, après le règne de Charles le Chauve, toutes ces brèves mentions qu'on pouvait avoir au IXe siècle, elles disparaissent. C'est-à-dire que là, on n'a plus d'attestation de visite, on n'a plus de synode. Avant, il faut attendre les années 970-980. On a un hiatus, alors qu'il y a aussi un hiatus documentaire, c'est vrai. Il faudrait regarder dans le détail. Hein. Bien sûr, il y a des enjeux documentaires, mais quand même, c'est frappant. Lorsqu'on a de nouveau de la documentation diplomatique, ben, par exemple, on n'a plus de taxe épiscopale. Il faut attendre après le XIe pour qu'elle revienne. Donc, on a une histoire qui est plus discontinue. Voilà. Alors, donc au bout du compte, au regard de ces, alors bon, voilà, ce sont des réserves, une série de réserves plus que de remise en cause en tant que telle. Mais est-ce que, enfin moi, ce que je perçois, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de cœur franc sur le plan géographique et de moment 9e siècle, 3-4 générations. Mais est-ce que au-delà de cet espace-là et de cette chronologie-là, le modèle que tu nous as présenté, tu penses finalement qu'il est effectif au-delà de ce noyau? Et dernier petit élément historiographique qui explique peut-être le gros contraste au bout du compte entre ton exposé et mes réserves, c'est du point de vue français, quand on regarde l'historiographie française, on part d'une situation presque inverse à celle que tu as décrite au début. C'est-à-dire dans l'historiographie, on va dire traditionnelle française, c'est le 9e siècle qui est le moment du contrôle épiscopal. On a une historiographie très forte qui dit, voilà, l'Empire carolingien met en place toutes ces institutions ecclésiastiques. Et le temps de l'Église, entre guillemets, privée, c'est les 10e et 11e siècles. Alors que ce que tu as présenté au départ, c'est l'inverse. On a une historiographie allemande qui nous dit, c'est l'Église privée, puis c'est l'Église, on va dire, institutionnelle, impériale, bon bref. Et donc, je me demande dans quelle mesure aussi cette double héritage très contrasté des historiographies françaises et allemandes ne pèse pas sur nos appréciations actuelles. Parce qu'en fait, effectivement, toi, tu es amené à nuancer le modèle allemand de Stutz, et éventuellement, moi, j'étais plus amené à nuancer, par exemple, le modèle de Wyss et d'une sorte d'inkmarisation de l'Empire. Voilà, bon, j'ai été trop long, je suis désolé. Et on pourrait prolonger dans d'autres lieux, à d'autres moments, on le fera, j'imagine. Mais voilà, merci. Ja, vielen Dank für die Hinweise. Ich erlaube mir auf Deutsch zu antworten, weil mir das, glaube ich, etwas leichter fällt bei diesen Fragen, und wir werden darüber weiter sprechen. Ich glaube, um beim letzten anzufangen, dass tatsächlich die unterschiedlichen nationalen Traditionen sehr wichtig sind. Émile Laine, Humbert de la Tour, Ulrich Stutz haben sehr unterschiedliche Perspektiven auf das entwickelt, was lokale Kirchen sind und was den Einfluss des Bischofs über diese Kirchen angeht. Das große Problem, das ich sehe, ist, dass wir in den internationalen gegenseitigen Wahrnehmungen dazu neigen, diese Konzepte miteinander zu vermischen und ineinander zu werfen. Also das, was Église privée ist, ist etwas anderes als das, was bei Stutz eine Eigenkirche ist. Und das ist noch etwas anderes als das, was sich Susan Wood unter einer Proprietary Church 2006 vorgestellt hat. Das sind falsche Freunde, und es ist, glaube ich, wichtig, gerade deswegen so deutlich zu sagen, wo die historiografischen Traditionen liegen. Deswegen habe ich so viel über das 19. Jahrhundert und Ulrich Stutz berichtet. Jedenfalls in der deutschen Historiographie ist es aber so, dass seine Definition einer Eigenkirche bis in das Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte, ich habe Bünz auf der Folie gehabt, von 2008, zu finden ist. Es steht im Lexikon des Mittelalters, man findet es in den Textbüchern, die wir haben, man findet es in der Spezialliteratur. Also zumindest einmal Outre-Rhin ist das weiter ein wichtiges Konzept. Und es geht nicht nur darum, dass man das Wort eliminiert, sondern dass es geht um die Vorstellungen, die damit verbunden sind, was den Einfluss des Bischofs über diese Kirchen angeht und was die Rolle von Bischöfen bei der kirchlichen Strukturierung des 19. Jahrhunderts angeht.
Ja, ich stimme sofort zu. Die karolingische Welt, die fränkische Welt ist groß. Zwischen Barcelona und der Elbe, der Nordsee und Rom gibt es viele regionale Unterschiede. Ich würde nicht sagen, dass es eine Hinkmarisation ist, weil es ein paar mehr Regionen gibt, die so nah an dem karolingischen Hof sind, dass sie diese Dinge rezipieren. Also Bayern unter Arn von Salzburg ist zum Beispiel eine Region, die sehr stark diese Ideen aufnimmt und bei der ich auch sehr viel davon sehe. Dasselbe kann man auch in anderen Teilen östlich des Rheins sehen. Sachsen wird schon sehr viel schwieriger, was die Dokumentation für uns angeht. Die Synode von Toulouse geht auf Klagen von Priestern aus Septimanien zurück. Also auch dort jedenfalls kann man, was alle diese Abgaben angeht, eine solche Verdichtung sehen. Und eine weitere Klage, die in Toulouse 844 erhoben wird, betrifft genau die Häufigkeit der Visitationen, gegen die sich die Priester in dieser Zeit bei Karl dem Kahlen beschweren. Also ja, ich bin sofort einverstanden, man darf das sich nicht vorstellen als etwas, was das gesamte Frankenreich in gleicher Weise betrifft. Wenn ich aber gegen ein Modell argumentiere, das diesen Anspruch hat, dann ist es richtig oder es ist schwierig, diese geografischen Differenzierungen anzubringen, weil ich auf der Modellebene sprechen muss. Was die Profondeur Sociale angeht, ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied zwischen jemandem, der viele Urkunden des 11. Jahrhunderts liest und jemandem, der viele Kapitularien des 9. Jahrhunderts liest. Also ein Teil des Problems scheint mir zu sein, wie viel Vertrauen wir in normative Texte, Rechtstexte und ihre Durchsetzungsfähigkeit im 9. Jahrhundert legen. Ich möchte nicht diese Texte so lesen oder so verstanden wissen, dass alles, was darin steht, auch tatsächlich umgesetzt wird. Deswegen versuche ich eher sie zu lesen als Ausdruck von Problemen, die in der politischen Kultur relevant sind und auf die der Hof in den Verhandlungen mit den Bischöfen, auch mit den laikalen Großen auf den Versammlungen eine Antwort finden muss. Und wenn ich sie so lese, dann sehe ich, dass es bestimmte Probleme gibt, die offenbar virulent sind, über die man sich äußern muss in normativen Texten. Und es gibt andere Probleme, die viel weniger virulent sind. Wenn ich das Spiel zum Beispiel mit den Zehnten treibe, dann gibt es aus dem gesamten 9. Jahrhundert, soweit ich weiß, genau einen normativen Text, der Klage darüber führt, dass Laien die Zehnten von Kirchen sich aneignen. Das ist 893, die Synode von Metz. Ich kann also nicht sehen, dass es einen großen Konflikt zwischen Laien und Bischöfen oder der kirchlichen Hierarchie über die Einkünfte an Kirchen gibt, weil das einfach in diesen Texten, die sensibel sind für solche Probleme, nicht auftauchen. Umgekehrt, glaube ich, dürfen wir nicht nur Urkunden lesen, sondern müssen auch solche Texte, wie wir sie in den kleinen Büchern, die Karin van Rijn und Susan Keefe untersucht haben, finden, als Überreste einer Praxis ernst nehmen. Und diese Texte sind in wirklich hoher Zahl überliefert, in vielen Handschriften, wenn man sich vorstellt, dass die Überlieferungschancen für solche Handschriften ausgesprochen gering sind. Insofern würde ich meinen, dass wir zumindest sagen können, dass wir so etwas haben wie ein Kontrollinstrument jenseits von Urkunden, um zu sehen, dass Ansprüche von Bischöfen auch auf dieser Ebene zumindest einmal der lokalen Priester ankommen. Diese Bücher haben wir interessanterweise nicht nur aus der Kirchenprovinz von Reims, sondern auch aus Südfrankreich. Wir haben sie aus Norditalien, wir haben sie aus Bayern, wir haben sie aus Südwestdeutschland. Und insofern wären sie für mich erst einmal ein starkes Argument, dass mehr passiert ist als nur in der Kirchenprovinz Reims. Aber es ist richtig, wir haben immer sehr viel zu sehr eine Perspektive, die von Reims und Sens, würde ich sagen, in Nordostfrankreich ausgeht. Also ich bin ein bisschen optimistischer insgesamt, aber wir werden weiter darüber sprechen. Pots half full or half empty. Thank you very much to all our speakers this morning for an extremely interesting set of papers. And thank you also to all the discussants for their contributions. This is the end of this morning's proceedings. We reconvene at 3:30, so alle 15:30, and I wish you all a very happy lunchtime. Thank you. Thank you very much for your